Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que vous allez bien en ce samedi plaisir, samedi soleil, pour une soirée qui s'annonce très très sympathique. Les amis, autour de moi, j'ai des gens, parce que peut-être que vous me voyez sur mon stream, mais peut-être sur le stream d'un ou une des participants ou participantes. Et je vais démarrer tout de suite la présentation de ce casting, d'une soirée qui régale, avec tout à ma droite, c'est Gomard qui est là. Comment est-ce que tu vas, Bonjour. Gomard? Boum, pff, c'est éclairé. Ça va très bien, et toi et vous? Vous pouvez pas encore parler? Bah, ils peuvent pas encore parler. Ils n'ont pas accès à la parole, quoi. Gomard, comment tu te sens sur du GeoGuessr? Est-ce que t'es en forme? Je t'ai senti un peu stressé. Ouais, on se cache pas qu'on est là pour viser le top du tableau. On est là pour gagner et pour apprendre la géographie surtout. Voilà. Dans la transmission. Toi, tout dans l'apprentissage. Là-dedans. Ce soir, je vais apprendre. Je vais vous expliquer aussi le concept de la soirée. Si vous n'aviez pas vu les annonces, etc. D'ici quelques minutes, juste à ma droite, on a Mister MV. Comment il va? Portons la magie et la flamme. Voilà. Ouais. Que dire de plus? Que dire Bonsoir. De plus? C'est juste sublime. MV, gros joueur. Gros joueur, quoi que soit fait, hein, j'espère qu'on va m'apporter un Coca-Cola sans sucre dans les plus brefs délais. bien sûr. Alors oui, j'ai beaucoup joué à GeoGuessr par le passé, mais ça fait un petit moment. Là, j'ai juste relancé des games tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux modes délirants. Mais bon, on va voir. La France, ça fait un moment. Normalement, j'avais plein de pense-bêtes avec des jeux de mots pourris pour me souvenir de l'intégralité des régions de la France et des départements. Même. J'ai plus ça, mais on va passer un bon moment, bien sûr. On a un concurrent juste à ma gauche. Vient de Nice, juste derrière, vous le voyez, chacun a une petite ambiance aussi. Là-bas, c'est le soleil, c'est la plage. Comment tu vas, Ultia? Moi, je suis en vacances là. Ah ouais, t'es au max. Ouais, hein. Franchement, j'ai le meilleur décor. J'ai une planche de surf et tout. J'ai même des instruments de musique. Merci de m'avoir positionné ici, là. On adore Nice. Bah écoute, j'ai voulu te mettre dans ton élément, tu vois. Incroyable. Je me suis dit que c'est là que tu serais la meilleure. Magique. Au bout du bout, bah voilà, c'est chez lui, hein, le Mont Saint-Michel, en pleine Bretagne. J'ai envie de dire Rivenzi qui est au bout de la table. Est-ce une provocation ou est-ce un aveu de définitivement le Mont Saint-Michel? Vous voyez pas sur ce plan-là, mais je suis encadré du Mont Saint-Michel. On le voit juste ici. Non, mais écoute, trop content d'être là. Alors bon, autant GeoGuessr, je sais pas trop parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Autant les Jeux Olympiques, normal. Normalement, ils ok, ça devrait m'aider un petit peu pour pas être trop mauvais. Bah, écoutez, en tout cas, vous avez le casting de cette soirée. Une soirée, on remercie Coca-Cola parce que c'est grâce à eux qu'on peut l'organiser. Vous allez voir donc une soirée autour, tu le disais, Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que Coca-Cola est sponsor donc des Jeux Olympiques et plus précisément de la Flamme Olympique. Le parcours a été révélé hier. On va donc ce soir s'affronter tous les cinq. Cinq maps donc, qui ont été spécialement conçues justement par Coca autour des JO, autour du parcours donc, du coup, de cette Flamme Olympique. Ça risque d'être très sympa, donc France, pas que métropolitaine en l'occurrence. Vous allez avoir aussi l'occasion de pouvoir y jouer, hein, si jamais, point d'exclamation map, je crois qu'on a ça sur absolument tout notre chat, n'hésitez pas. En plus, bien sûr, parce que je vous parle du lien entre Coca-Cola, la Flamme Olympique, à partir du 17 juillet, la communauté, donc vous aussi, vous allez pouvoir candidater pour être porteur de la Flamme Olympique, quand même une expérience mémorable, on s'en souvient à vie, directement sur l'application Coca-Cola. Je vous en parlerai un peu plus, il y a pas mal de petites choses à gagner aussi, si vous aimez GeoGuessr. Si vous y jouez, vous allez voir, il va y avoir quand même des assez gros liens. De temps en temps, mon cher Yves, des petites anecdotes. Ah, ben non, mais parce qu'en vrai, pendant le relais, il y a eu plein de petites histoires qui se sont déroulées, plus ou moins drôles, plus ou moins impressionnantes aussi, parce que pas mal d'organisateurs qui se sont donné du mal pour transporter la flamme. Donc voilà, j'ai fouillé un petit peu. J'ai vu notamment que la flamme passait à Vichy. Eh ben, ça passe dans plein de villes de France. Vous allez pouvoir voir. Dom-tom. Hâte d'en savoir plus, mon cher Riff. Bah, écoute, tu vas le découvrir. Mais je bien te sûr, sens mais impatient de découvrir cette map et ce parcours. Les amis, ça va vous sinon dans tous les chats? En gros, ce qui va se passer, c'est que là, il y a un stream global et ensuite, vous aurez chacun donc du bien coup sûr. La POV. On va jouer en 2 minutes pour chaque point. Donc ça va être quand même. Oh mais quoi? Ça va pas? C'est tellement dur. Tu m'avais dit 3 minutes. C'est trop. Au cours de... C'est that what she said. Voilà. On pourra faire une map. Et c'est maintenant que tu bascules. Et ensuite, si jamais c'est rentre au cours, en fait, normalement, c'est quand même pas mal de points un peu dans les villes. Donc, tu vois, on n'est pas non plus en totale campagne, etc. Okay. Donc, ça pourrait aller. Donc, on n'aime pas la campagne. Ok, très bien. C'est un choix mytho de mon côté. Hein. Okay. Le provincial le prend très mal, mais très bien. Je me suis dit, ça, c'est mort. En vrai, moi, de mon côté, j'ai les différentes maps ici. Il y a le classement. Si jamais, comme je vous le disais, vous allez pouvoir jouer aussi, vous, de votre côté.
En vrai, c'est plutôt sympa parce que je vous parlais de l'application Coca-Cola. Qu'est-ce que ça permet ? À chaque fois que tu as plus de 3500 sur un point, tu débloques un code. Ce code donc qui vient de GeoGuessr, la démap spéciale, tu le mets dans l'appli et tu as une chance ou non. Pas mal de pas de chance, puisqu'il y a. C'est pas français du tout, je suis pas. Pas mal de pas de chance. Il y a pas mal de pas de chance qui, malheureusement, nous a un peu perdu. Non, mais en gros, ce code te permet potentiellement de gagner 2 places pour les JO. Et il y a 3 fois 2 places donc, pour les JO à gagner. Donc, si vous aimez GeoGuessr, voilà, c'est gratuit. Je crois qu'on aura des codes aussi GeoGuessr Pro dans la soirée. Enfin, plein de choses. En vrai, ça va être très sympa. Si vous voulez. Moi, je peux être chaud pour. On lance direct la première. On lance directement les festivités. Si ça vous va, ça part vite. Hein, mais on est là pour. On se met dedans, là. Ah, il faut se mute aussi une game. On est là pour. Ah oui, c'est vrai. Alors, ouais, vous allez tous vous mute. Je vous souhaite à tous et toutes de vous régaler. On n'a pas le chat, hein, si jamais, donc vous cassez pas la tête, les modos. Exactement. Vous pouvez, les gens peuvent jouer aussi. On est parti, tout le monde. Je vous laisse. Là, vous m'entendez ? Je t'entends. Exactement. Il est là. Il y a tout le principe de muter. Plutôt que tu fermes ta. Allez, on est parti. J'envoie ça. Oh, voilà. Allez, 3, 2, 1. Du coup, les amis, on a donc 2 minutes. Là, normalement, vous ne voyez que moi si jamais vous êtes sur mon stream. Je vous le dis, hein, j'ai pas voulu leur mettre trop la pression, mais honnêtement, j'ai. Bah écoute, je t'entends. Mais fais ta vie, Ultia, fais ta vie. Je ferme ma gueule. Excusez-moi, tout le monde, bonne game. C'est bon. Alors ouais, du coup, en fait, ils m'entendaient. Donc heureusement, j'ai pas révélé d'informations parce que j'ai déjà l'info. Non, ce que je disais, c'est que normalement, je vais les broyer hein, parce que c'est là où je suis bon. Centre Colbert, Aumelon, Saint-Jean, Saint-Denis. 2 minutes, c'est quand même assez rapide. Donc faut faire gaffe, faut pas non plus se planter parce qu'il faut aller vite. Et je suis déjà un peu en train de panique. Tourisme, musée Bertrand. Mais putain, mais merde. Mais je me sens pas bien en fait là. Là, 2 minutes, c'est pas autre chose. Ah, Vierzon, Bourges, Orléans. Vierzon, Bourges, Orléans. Donc on est un peu là, là. Orléans, Bourges. Le printemps de Bourges. Vierzon, Bourges, Orléans. Donc normalement, on doit être là. Donc normalement, on est peut-être à Romorantin, un truc comme ça. Autre direction. On va aller là-bas, là, parce que j'ai dû en louper là. Il y avait 2 panneaux là. Il y avait un autre panneau. Force, 3e feu à droite, 55 secondes, c'est vrai que c'est rapide, hein, c'est rapide ici, c'est rapide, ça fait quelques temps là qu'on n'a pas joué. Guéret, Montluçon, sud, Guéret, Montluçon, Saint-Amand, peut-être le Châtre, je crois qu'on est à la Châtre. Je crois que j'avais vu un truc en mode la Châtre, mais la Châtre, putain, on m'a dit qu'il n'y avait que des villes un peu big, la Châtre, excusez-moi, mais on n'est pas non plus sur... Ah, on n'est pas sur le village que tout le monde connaît, quoi. 20 secondes, putain. Oh là là, je suis en panique. Hôtel de la gare, US Museum, La Châtre, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas à La Châtre, moi. J'ai l'impression qu'on n'est pas à La Châtre, putain. Haute direction. 10 secondes, faut choisir. La Châtre. Oh, on est juste à côté de La Châtre. Aïe, aïe, aïe. Trop court, 2 minutes. Attendez, parce que... Ah, de PA, premier. Bonjour à tous. Bonjour. On peut débrief rapidement. Normalement, on débrief après l'intégralité. Ouais. Bon, déjà, 73 points de rive. J'ai vu un technicien avec toi. Bah, en fait, je crois que la POV était assez insane, je crois, de mon côté. Je crois qu'ils ont vu des trucs de ouf dans mon chat. Ah, moi, j'ai une À toi aussi, du coup. Ouais. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai vu la cathédrale. J'ai dit, OK, Notre-Dame, facile, c'est le premier point. Et j'ai pas regardé autour de moi. Et donc, j'étais en train de valider tranquillement. OK, je suis un petit peu à droite. Et je regarde qu'il y a une route. Et qu'en fait, on n'est pas du tout à Notre-Dame. Mais non. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les 10 dernières secondes, j'ai vu un cabinet d'assurance qui avait un cabinet à Bourges. Et je me suis remis in extremis dans la région de Bourges. Mmh. C'était aussi un point très difficile. Je dois non, en vrai, c'était plutôt simple. Mais oui, c'est juste que 2 minutes, c'est chaud. Ouais. En fait, tu m'as perturbé, tu t'es pas mute. C'est vrai que je vous ai niqué 30 secondes aussi. Je dois la. On avait tout un raisonnement dans les oreilles. J'ai expliqué à tout le monde qu'il faut bien se muter et tout ça pour que le mec le fasse pas. En plus, je te dis, ouais, t'es pas mute. Bah, t'es pas mute. Non, parce que moi, je pensais que je faisais trop de bruit à côté. J'étais en mode, bah, c'est mort pour toi. Alors, je suis parti. J'étais en mode, alors, regarde, déjà, c'est pas facile. On va faire quoi qu'il arrive. Je vous propose, on va enchaîner les 4 autres rounds en 2 minutes. Bien sûr, d'accord. Quoi qu'il arrive, on est aux mêmes conditions. Ensuite, on pourra se dire, on peut se mettre 2 minutes 30, 3 minutes. Bien sûr. En tout cas, pour l'instant, ça commence. Riff, c'est déjà 2800 points d'écart entre toi et moi. C'est histoire. Non, mais là, c'était dramatique. Là. Je me suis perdu. Mais c'est pas grave. C'est parti, deuxième round. On y va, GL. Ça a changé de scène. Bon, allez.
Allez, j'espère que ça a changé de scène. Là, du coup, le Stade de France. Là, quand même, vous n'allez pas me dire que c'est pas le Stade de France, c'est le SDF. Là, faut peut-être arrêter les conneries. Donc, nous dirigeons vers le Stade de France. T'es pas mute, toi. Est à mon ouest. T'es pas mute, toi. Ah ! Nous sommes donc à Bastia. Non, vas-y. Il nous nique, celui-là, il nous nique. Ok, Stade de France, du coup, bon, Stade de France, c'est facile. La question, c'est juste de quel côté du Stade de France. Là, on veut lâcher un 5000 points. On veut lâcher un... Bah, on est devant le KFC. En vrai, ça va quand même. McDonald's, là, boum, ici, là. Tac. Juste ici, en fait. On va juste être là, tranquille. Si vous voulez, comme ça, je vais pouvoir prendre un peu le temps de lire le chat. NJ. Attends, parce que le KFC, il est censé être quand même un... Non, mais on est là, du coup. Attendez, je suis pas sûr, là, de ce qui se passe. Novotel. Non, parce qu'en fait, ils l'envoient, il est bien là. Il est bill là. Voilà, je fais juste un 5000 points, comme ça, on a le temps de discuter un peu avec vous, le chat. J'ai le temps, voilà, de remettre un peu. Prochain round. Salut la team. Comment vous allez-vous? Et je pensais au début que j'étais en galère. Alors, en fait, on n'a pas le résultat tant qu'il n'y a pas les deux minutes. Mais vous pensez que c'était de l'autre côté? Alors, j'ai peut-être fait le beau. J'ai peut-être fait le beau pour rien. Parce qu'en fait, si... En fait... Là, on va attendre que les 5 se mettent. En fait, KFC est indiqué là, sauf que quand tu regardes la route, il est juste à côté du Novotel. Ah, mais peut-être qu'en fait, c'était ici. Bah non, c'est pas peut être ici, il est juste à côté du Novotel. J'ai vu qu'il y avait un Novotel à côté. Non. Peut-être un peu plus haut, peut-être pas un 5000. Après, il y a 16 points d'écart, quoi qu'il arrive. Bon, j'espère que vous kiffez en tout cas cette petite soirée. Enfin, vous kiffez, c'est le tout début, mais c'est vrai que ça fait plaisir là. On a voulu faire un petit truc. Bon, moi j'ai Paris derrière moi. Je sais pas si vous y croyez, si vous pensez que je peux, tu vois. Genre, c'est à peu près la vue de chez moi. J'ai pas voulu être trop dépaysé, voyez-vous. On te voyait à l'autre. Ah, ok, d'accord. On a eu un freeze de la scène. Oh, ok. Le reveal! Est-ce que tout le monde est à 5000 points? Est-ce que tout le monde est... Bonne soirée à tous. J'étais à 3 mètres. Qu'est-ce qu'il y a, Goma? Mais non, tu l'as. Ah! Démute-toi, je crois. Démute-toi, juste Goma. Oui, bonjour à tous. En vrai, si c'est trop galère, on peut demander à la régie de juste tous se mute et tous se démute. Hein. Non, en vrai, ça va. Je vais y penser. Oh, mais moi, je sais que je suis le genre de mec à pas y penser. Stade de France, malheureusement, bien sûr, déjà visité. J'y vais bientôt. Et oui. Bien, désormais, je sais où c'est. Je me perdrai pas à Paris. Toi, tu nous disais, c'est vrai que niveau géographie, parce que t'as un peu joué à GeoGuessr, etc. Ouais. C'est pour ça que je t'avais proposé. Mais il y a des endroits qu'on découvre aussi encore. Mais justement, non, mais Stade de France, je sais quand même. En fait, c'est typiquement, il y a des villes, j'ai déjà été. Par contre, les placer sur une carte, ouais. Impossible. Vraiment impossible. Et Stade de France, je sais où c'est, je sais y aller. Par contre, le mettre sur une carte. Là, je comprends. Genre vraiment. Ligne 13, après, où est-ce que c'est exactement? Là, c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit noté sur la carte, vu que c'est assez huge. Je me suis dit, bon. Et du coup, je cherchais partout l'écriture Stade de France. Pas trop en vrai, il y était. Hein. Il y est, mais faut être au nord, quoi. Ouais, c'est ça. Faut juste savoir où c'est. Mais ouais. FMV en 46 secondes. Hein. Ouais. Faut écouter. On débrouille. 46 secondes, bien sûr. Auprès de la rue des 5 Nations, du tournoi des 5 Nations. Des 5 Nations en face de la porte. Ah oui, en direct. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est reparti. Alors, non, c'est pas reparti. Moi, je suis toujours au Stade de France, personnellement. Je me mute. Ah bon? Au secours? Oui, je suis au stade. Comment ça? Ah non, c'est bon. Normalement, c'est bon. What the fuck? Mute-toi, c'est parfait. Merci. C'est quoi ça? C'est bord de mer? C'est bord de mer un peu friqué? Étonnant, c'est le bord de mer. West Union, bah, on est sur l'Atlantique, là. On est sur l'Atlantique, on est où, là? École de voile, catamaran. Catamaran, à partir de 3 ans, école, club des dauphins. Bah, les dauphins, ils sont super cool, les dauphins. Il y a rarement... Le clan des mâmes. C'est quoi, là? Parce que ça peut être... Mais ça fait un peu, quand même, aussi Nice, quoi. Ça fait un peu Nice, Cannes. Mais en même temps, s'il y a déjà, tu sais, genre des trucs de club de voile et tout, il y a quand même plus de clubs de voile en Atlantique. Et ouais, c'est mon point. Attendez, mais juste là, parce que là, j'ai l'impression que je vais beaucoup naviguer sans trop de raison, là. Déménagement, transport, presqu'île. Ah, mais presqu'île, ça veut dire qu'on est peut-être en mode... C'est quoi presqu'île? Presqu'île, c'est juste que c'est une presqu'île, hein, frérot. Il n'y a pas non plus 20 000. C'est-à-dire qu'en termes d'information, on était pas mal là déjà. Le Luceta, le Mona Lisa, mais ça semblait hyper, hyper simple et en fait c'est dur. Des chevaux, club plage, club Mickey. Qu'est-ce qu'on a là? La Poste, marché, Kimodo, Kiwidi. Mais attends, ça m'emmerde de fou là. Mais je vais paniquer là-dessus là, parce que j'étais bien parti sur cette soirée. Police municipale, mais il n'y a pas la ville? Si? Oh, la boule, let's go. La boule, c'est où? C'est genre... Alors, attends, parce que là, faut pas parler trop fort. C'est où la boule, exactement?
la boule là, vous êtes où vous? Attends deux secondes, parce que je vais faire un truc un peu de mec géoguesseur. C'est-à-dire que la mer là est au sud. Putain, mais vite, plus vite, plus de paix. La boule c'est où? Non, la boule, je la vois là, la Karnak. Karnak, la boule. La boule, le croisant. La boule. En clutch peut-être. 4920. Ah bah ça a triché, bah génial. Bah oh, ouais, mais tu l'as dit super fort en vrai. C'est vrai que tu l'as dit assez fort. Ah merde. Bah ouais. Ah bah j'avoue, j'étais assez content de moi de me dire yes, j'ai la boule direct. Ouh, ah ouais, bah moi ouais, j'ai ouais. La boule. Putain, j'avais pas où c'était. La boule est scoop black. Mais pourquoi 0 point? 0 point parce que je croyais qu'on était dans le sud et j'ai vu la boule. C'est la boule. 3 secondes avant la fin. Et j'ai paniqué. Ah merde. Donc j'étais du côté de la grande motte. Moi je sais même pas. Au début je me suis mis à Nice, je me suis dit ça ressemble pas trop à Nice, mais on sait jamais. La boule, juste non, à côté, c'est un cauchemar. Ah oui, tu t'es mis. Non, mais c'est vrai que ça pouvait faire un peu méditerranéen ouais, aussi. Fait, quoi. Non, mais vite fait, la promenade, vite fait. Genre vraiment, loin. On me dit que j'ai des petits frises sur le stream aussi. On a des gens qui sont dessus. Bah écoutez, vous voulez intervenir maintenant? Vous me dites, hein, y a pas de. Est-ce qu'on enchaîne? Parce qu'on est chaud là. J'ai fait une bonne remontée là. Je suis assez content, j'avoue. C'est pas mal. Ouais. J'étais mal parti sur le premier point, mais au final, ça va. C'est vrai que le zéro, il peut faire mal. Est-ce que la soirée je joue là-dessus, on sait pas, mais on sait pas. Parce que attendez, ah bon, c'est pas round 4. Oh là, ça repart. Ouais. Ok, désolé si vous avez des petits freezes. On va corriger ça. Je vais aller très très vite pour permettre justement à la team de corriger. Si bon, j'ai vu aussi dans le chat que voilà, vous dites qu'il y en avait d'autres noms. Donc voilà quoi. Musique, théâtre, chanson, les trois scènes. Saint-Ozène. C'est pas simple, Saint-Ozène. En fait, Saint-Ozène, je connais pas. Saint-Ozène, château, il y a des châteaux. Mais pourquoi il est en stop des bars à côté de moi et le tien, je comprends pas. Je cherche un rond-point, je cherche des panneaux verts parce que ça a l'air d'être quand même assez grand. Haute direction, Nancy, Saint-Ozère. Putain, moi je pensais qu'il y avait beaucoup de grandes villes. Ah voilà, Saint-Armand, Saint-Dizier, hein. Eh oui, du bon Saint-Dizier là. C'est peut-être plus ça que Saint-Dizier. C'est peut-être plus ça, non? Zach Duchesne, Saint-Amand. Saint-Amand, c'est où? Saint-Amand, pour moi, c'était de l'eau. On découvre, hein. N4 à 2 minutes ouvert le dimanche. Mais non, mais ça veut dire que là, va savoir, j'ai juste mal vu. En fait, ça n'a jamais été Saint-Ozène, ça a été Saint-Dizier depuis le début. Attendez, laissez-moi regarder là. Regardez un peu là. T'as trouvé toi? Ah ok, d'accord, je vois exactement. Donc c'est bien ça, c'était pas Saint-Ozène. Attends, mais l'autre elle était en détente. Théâtre, en fait. Le chat, je vous le demande quoi. J'ai déjà peur de tuer la soirée là, j'ai déjà peur d'être on fire. J'ai peur que personne revienne. Je regarde dans mon rétro gauche, mon rétro droite, je vois personne. Ah merde, on est rapide. Aïe! Ah, je me suis niqué en plus. Merde, c'est où ça, ces conneries là? Y a pas de. Là, ça doit être là. Musée. Oh non, musée, c'est pas ça. Oh là là. Eh, c'est. Ultia, c'est quoi cette histoire avec Saint-Dizier? T'as trouvé direct? Oui, bien sûr, parce que mon père est né là-bas. Et que ma cousine s'est mariée dans cette. Mon père est né là-bas. Est-ce que juste la régie, vous nous démuterez pas tous et nous mutez tous? Ah pardon, oui, pardon, non, j'ai oublié, pardon, excuse-moi. Il n'y a aucun souci, on est tous là-dedans, on se dit ça, ouais. Ils nous mutent ouais. Dès qu'on va en game et ça nous démute, comme ça on n'a plus les... On merci a plus la régie. Crevés. Je disais, mon père est né là-bas et ma cousine s'est mariée dans cette mairie il y a de ça un an. Et du coup, je suis arrivée là et j'ai fait... Je connais vraiment ce lieu, quoi. C'est trop facile. Je t'avoue que j'ai juste entendu la réaction, je me suis dit, c'est Nice. C'est genre... c'est quoi ça? Mais je suis dernier, je suis deg. MV, ouais. MV. C'est Saint-Dizier en Champagne, dans le dur, MV. C'est pas terminé, MV. Il y a 5 maps ce soir. Coup dur. Les amis, on est reparti pour le dernier point. Allez, let's go. C'est parti, c'est super. Allez, final round. Ok. Bon, on est où là? Ça, c'est, alors, ça, c'est quoi ça? Oh, ça. Oh, mais je sais la où c'est. Vous pouvez okay. Ok, boum. Ça, c'est la défense. Pardon. Arena. C'est ce truc. C'est. Non, je connais pas. La défense, oh putain, bordel de merde. Non, mais t'es pas à Paris. Les gens vont dire, ah putain, connais pas Paris. Non, je connais pas Paris. Je vais pas dire ça. La terrasse de l'Arche. Oh, bah, c'est la défense. La grande arche de la défense. Oh, ils sont en train de réussir à muter, c'est beau ça.
bien joué hein, la régie, non, parce que c'est vrai que souvent dans ce genre de truc, on se fait un peu des trucs en fonction, c'est-à-dire on se dit, bon bah, tu vois, si jamais il y a envie de parler, on parle, si jamais il n'y a pas envie de parler, on parle pas. Et donc du coup, c'est vrai que d'un point de vue un peu technique, hein, il faut le dire, bah du coup, forcément, les ingé-sons, etc., ça peut être un peu compliqué, parce qu'on leur propose des trucs qui peuvent être un peu chiants, et du coup, on adapte. Pensez à la régie. Oh bah merde, je suis dans le tunnel. Mais c'est dans le coin là, non? Attends, mais c'est où le parvis là en fait? Ah mais y a pas une rue là? Nanterre, la Défense. Ah mais du coup il nous... Ah ok d'accord, faut que personne ne fasse si jamais il y a... Ah c'est le moment... De toute façon la Défense c'est... Ah boulevard quoi? Aimé Césaire. Ah oui Aimé Césaire. Un grand homme hein. Un grand homme hein. Si jamais boulevard des Bouvets, bah non, c'est pas du tout le monsieur qu'on cherche. Ça. Moi, je cherche le 5000. Hein. Je cherche le 5000. Vous allez voir tout à l'heure, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plusieurs clips TikTok. Hein. Alors, pas spécialement avec de la Colombie, pour ceux qui ont suivi, mais avec plutôt quelqu'un. Quelqu'un qui sera avec nous tout à l'heure, Avenue Glaizier. Bah non, Glaizier. Attends, mais Aimé Césaire, ça me dit quelque chose. Bah, c'est normal, mais. Hein, boulevard circulaire, tu vois. Ah, Esplanade, hein, c'est jusque là en fait. Hein. C'est vrai que c'est grand la Défense, ça m'angoisse un peu moi la Défense. J'ai failli y habiter, finalement j'y ai pas habité. Je me suis dit non, tu vois, j'y vais pas. Chaubas, 10 secondes, ouais, j'ai été un peu mou là, un peu mou. Hein. J'ai été un peu mou. Je m'excuse, je vais me foutre là comme ça du coup. Oh, c'est loin. En 4890. C'était de l'autre côté, je suis abattu. Oh là là, Rivenzi, 5000 points. 5000 points. Bah en vrai, c'était pas si compliqué. Hein. Bah... Oui, bon, ça va, Rivenzi, s'il te plaît, il y a des gens qui galèrent. Je vous entends pas. Alors attendez, parce que juste. 2 secondes. En gros, juste par rapport au son, en fait, on va faire un truc où la régie va tout gérer de A à Z, où on n'aura plus rien à toucher. Mais c'est juste que là, du coup, comme il y a. On s'entend on plus, était là, trop. Là, t'es mute, toi, par exemple. Ok, donc. Voilà. Là. Ok. Là. C'est bon. C'est bon, vous m'entendez. C'est là, c'est bon. J'entends une tien, etc. MV. Oui. Magnifique. On entend tout le monde, on n'a plus à toucher le bouton son. 5000, ouais, t'as vu direct la Défense, mais comment t'as su direct la rue, toi? Bah, parce que c'était pas. Vu qu'on était en bas de la Défense, bah, du coup, on était en face de la Grande Arche. Donc, on voyait la Grande Arche. Ah, mais oui! Dès le départ, tu vois la Grande Arche. Donc, moi, je me suis fait boussolette, mais ça va, je suis à 15 mètres. Alors, en vrai, c'était pas si. C'était le point le plus facile. Moi, je suis à 15 mètres aussi. Les rues perpendiculaires, il n'y avait pas les pancartes. Oui. Sur le nom des rues. Ah, mais moi, c'était juste. Je savais qu'on était en bas, donc la rue qui se trouve en bas de la Défense, et puis ciao! Ça allait vite. Ça pouvait jouer en tout cas, les amis. Oh, on va finir donc cette première game. Il y a 5 games au total. Ah, vous avez pas trouvé les on va pouvoir gérer aussi les petits problèmes, etc. Normalement, donc moi j'ai le classement. Si jamais vous voulez, on peut le montrer. Vous voulez l'afficher, ça va être affiché non, bien sûr sur tous les streams. écoutez, okay, pour l'instant, j'ai pris la tête. Bon, on est sur vraiment. T'es pas dernière, Gomard. Un petit GG des familles. Non, mais pourtant j'ai fait des dingues. 100 points d'écart, 18 000, 16 000 Gomard, 12 000 MV. Catastrophe. MV, c'est le zéro qui te met dedans. Ouais. Tu nous as lâché 2000. Eh, ça va être l'occasion de revenir. Il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, 5 games. Mon cher Rive, on en parlait tout à l'heure, puisque voilà, on est là aussi ce soir grâce à Coca-Cola qui est partenaire des Jeux Olympiques et plus particulièrement de la Flamme Olympique. Et toi, tu as quelques petites anecdotes que tu veux nous distiller tout le long. Exactement. Liées au JO. En vrai, quand j'ai regardé un peu, parce que je savais que j'allais faire l'émission, donc j'ai regardé un peu les anecdotes, je fouillais et je me disais où sont les endroits les plus improbables. Où est allée la Flamme Olympique, tu vois. Donc je dis c'est forcément à Léo, donc ils sont allés sur l'Everest. Enfin, ils avaient pour le relais de Pékin en 2008, ils ont déjà amené avec une équipe d'alpinistes chinois toute la flamme, etc. sur l'Everest. Mais pour les JO de 2000 à Sydney, ils ont amené la flamme sous l'eau, au niveau de la barrière de corail. Ils ont trouvé un dispositif pour que la flamme continue à brûler en fait sous l'eau. Oui, ils ont continué à faire brûler. En fait, il fallait que la flamme brûle à 2000 degrés. Pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à... Après, ça a duré que 3 minutes. Hein. Ils n'ont pas fait en mode un relais d'une heure et demie. Transpercer l'eau. C'est ça. Mais c'est vrai que comme c'était à Sydney, c'est un symbole de fou, évidemment, pour le pays. Et donc, ils ont réussi, en faisant un bon petit brainstorm, je pensais dû avoir 2-3 réunions, à faire passer cette flamme olympique sous l'eau. Bah écoute, un régal. Je vous le disais, je crois qu'on a un petit... je crois qu'on a 3 minutes d'intervention peut-être sur un PC. Oh là là, je vois du câble. Oh, il y a je du câble. Oh, ça tient du câble. En intervention. On va les mettre du câble. C'est sur quel PC où il y a des...
Il y a des... Ah, c'est sur le. C'est moi. Si vous êtes chez moi, vous voyez rien depuis une demi-heure. Ça me dérange pas pour l'instant. Tout va bien. Je le disais tout à l'heure, ouais, on va avoir un petit crack qui sera parmi nous parce que c'est vrai que je vous présente Jijou. Si jamais, Jijou, je te laisse. Oh, Jijou. Bonjour, Jijou. Non, on va avoir tout à l'heure Gabriel, qui est un créateur de contenu autour de GeoGuessr. Vous avez peut-être vu déjà des clips de lui sur TikTok ou autre. Lui, il jouera en monde parce qu'il est capable en 0,25 secondes, donc en un peu plus d'une frame, quoi, savoir où on est, dans quel pays. Ça, c'est ouf, ça. Peut-être pas claquer un 5000 tout pile hein, dans le monde entier, mais au moins repérer la zone. C'est super impressionnant, on l'a mis au challenge. On a fait une map, donc vous verrez ça tout à l'heure. Honnêtement, ouais, il est quand même très très chaud, donc ça sera tout à l'heure, ça. Bientôt sur TikTok. Bientôt sur TikTok, bien sûr. Cette soirée. Exactement. MV, est-ce que tu veux pas nous parler un peu de ton endroit? Parce que depuis tout à l'heure, je te vois, je me dis, mais où est-ce que ce serait pas un hommage à Albert V, ouais, bien ouais, sûr, bah, c'est mon univers. Hein. Ouais. J'adore jouer aux fléchettes, j'adore boire dans des gourdes, parfois faire du ski, bien entendu. C'est des skis à toi que tu as ramené juste pour l'occasion. Des fois, je pratique le BDSM, donc j'aime bien avoir quelques mètres de corde hein, dans le coin. C'est très important pour me faire saucissonner. Hein. Corne de brume, évidemment, pour appeler les animaux. Parce que toi, tu vis aussi nu dans la nature, souvent. Avec les animaux, tu fais corps avec la nature. Je fais corps avec la nature, tout à fait. Voilà, j'adore me promener dans les grandes étendues enneigées, nues, avec de la corde. Et on a des images, bien sûr. Et on part tout en petit vidéo reportage qu'on a tourné il y a quelques jours avec dispo MV. Pour porter la flamme olympique, d'ailleurs. Dans les montagnes, bien sûr. N'importe quel moment. Ça, c'est vrai que c'est un beau moment. Comment ça se passe, mon Jijou? On avait quoi? On avait du freeze, là, ce soir? C'est pas le meilleur jour. Mais si tu veux, petite anecdote sur les Jeux Olympiques. Tu sais qu'il y avait aux premières éditions des Jeux Olympiques, il y avait des sports mais improbables ou des disciplines improbables du qui étaient aux Olympiques. Il y avait la poésie. Ah ouais. Dans les premières, il y avait la poésie qui était dispo. C'était des battles, c'était comment? Bah en fait, ils arrivaient, concours de poésie, et puis t'avais un jury qui notait, etc. Rentre dans le cercle, tu vois, c'est comme Nouvelle École. Avec de la poésie. Il y avait architecture. Ah ouais, okay. Il y avait sculpture aussi, ouais. Il y avait des sports qui, enfin des disciplines qui étaient un peu plus originales et qu'on, bah du coup, on n'a pas gardé, pas forcément gardé aussi quoi. Architecture, c'est genre vas-y, envoie un immeuble. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça part, tac, tac, tac. Donc ouais, non, t'as eu des trucs très très originaux, mais je pense que la poésie, c'est ce qu'il y a de plus improbable. Ah, aussi, quoi. C'est trop cool. Depuis, ils l'ont enlevé. Speedrun de sculpture, c'est dommage. Speedrun de culture le plus rapide. Vous nous envoyez quelque chose, ça part direct. On va pouvoir lancer d'ici une petite minute, excusez-moi. Alors que. Peut-être parce que je vois des chants, toi, Gomard, derrière toi. Ouais. Le faisant. C'est tout toi, ça. Petit ça, faisant, petit portrait des endroits où vivaient mes grands-parents, bien sûr. voilà, les chants. La nature, la bouse, quoi. Ça, c'est la bouse. Ils m'ont bien cerné, c'est bien. Moi j'adore le faisant, là, il a l'air majestueux. Épanoui. En forme. Mon Dieu, le faisant. Je suis pas sûr. C'est vrai que. Attends, il y a une ambiance, quoi. Il y a une ambiance faisant, quoi, bien sûr. Il est là, quoi. Est-ce que. Pardon, excusez-moi, tout va bien. C'est réglé, mais tout est réglé. Félicitations. Ça a tiré du câble. T'as un petit voice meter derrière pour régler tous les soucis et ensuite on repart, quoi. Bien entendu. MV, je t'attends plus présent. La boule, c'est la boule. Hein. C'est la boule qui m'a plongé. La boule Escoop Black. Mais oui, mais en plus, j'aurais dû m'en souvenir parce que j'ai un très bon ami qui s'appelle Cédric Pache qui allait souvent à la boule en vacances. J'aurais dû penser à lui. Mais j'ai vu le panneau La Boule à 3 secondes de la fin. C'est vraiment dommage. Et toi, tu l'as pas entendu hurler dans ton oreille que c'était la boule? Ah non. Ah, j'ai pas de temps que c'est hurlé. L'avantage de la proximité, juste là. Est-ce que 2 minutes, on est bon en vrai, ou vous voulez mettre plus? Non, ça c'est bien 2 minutes. Ça met la pression. Moi, j'allais dire 3. Ça met la presse, ouais. Ça crée un peu de pression. J'imagine de toute façon que tout a été prévu, bien entendu, pour être timé sur des rounds de 2 minutes. C'est-à-dire que là, honnêtement, MV, ça nous fout dedans, ce qui est en train de se passer. Parce que sinon... Si on met 3, parce que si on laisse en 2 minutes, mais ouais, qu'après il faut vraiment faire des dissertations sur nos décors, on va être à court de contenu. Ah non, là c'est un problème technique. Voilà, on est bien d'accord, mon cher Pierre. Tu craches au visage du technicien comme ça. Là en fait, on l'avait écrit dans le runner, ce petit moment un peu de flottement qui permettait de parler un peu des décors. Des décors, non, parce que c'est pas grave, Rivenzi va nous écrire un poème. Sur le Mont Saint-Michel. Voilà. Mont Saint-Michel. D'ailleurs, je suis allé au Mont Saint-Michel il n'y a pas longtemps. C'est vrai ça. Ouais, du coup, j'ai testé les sables mouvants.
Ah ouais, ouais pas tester. Comment ça, tester cette année? En gros, le guide nous a dit, ça vous dit, on peut tester les sables mouvants, etc. Du coup, j'ai dit non. Il m'a dit si. Et du coup, on a fait les sables mouvants et j'ai cru que j'allais. J'ai un peu paniqué. Bah, en fait, je suis monté quand même jusque-là. Quoi, non, c'est pas mouvants. Vrai, sérieux. Si, je te jure, je te jure. Mais... Il y a une vidéo. Pardon, j'ai oublié d'ailleurs de l'acolyte de Mamie Twink, Fabrice, je sais plus comment. Ah, c'est carré. François. Calvar. François Calvier. Calvar, c'est un puisqu'on en a. Oui, oui. Moi, je donne des infos pour aider ceux qui ont des infos, tu vois, les vrais, quoi. Et en fait, il peut comment, sortir. Ouais. Lui, il explique exactement comment sortir et tout. Mais du coup, c'est j'ai vu la vidéo, j'ai tout oublié sur le moment. J'étais en mode. Et là, je voyais l'eau arriver, j'étais en mode. Non, c'est plus de 10 minutes. Non, mais j'ai réussi à m'en sortir au final. Mais oui, j'ai eu un petit coup de pression, ouais. Mais très sympa. Les amis, on est tout bon, vous avez plus à vous mute, etc. On va pas pouvoir partir sur la game numéro 2. Attends, faut finish game déjà. Hein. Finish game, vous faites continuer, vous en faites pas. Je nous prépare directement Olympics Game 2 qui ont été présélectionnés. Je vois MV, Riv, Gomar, il nous manque Ultia encore. Ultia est là, on est parti pour la deuxième game, vous avez rien à toucher. C'est reparti. 2 minutes toujours en fait. Allez, 2 minutes toujours. Écoutez, je me. Non mais est-ce que là vraiment, est-ce que à moi, heureusement qu'on se met pas en 3 minutes là-dessus les gars. Lance c'est plus haut, non Lance c'est plus bas. Hein. Lance c'est juste là, terre de foot, les corons, ils sont là, mes loulous, là, putain. Oh, je suis désolé, j'allais chanter les corons, je n'ai pensé qu'à terre brûlée. Mais c'est un peu l'ambiance. Parce que bon, voilà, mais on n'est pas dans la bonne chanson. Alors que pourtant, il y a eu de l'aventure FM, on a quand même vécu des trucs et tout. juste, non, j'étais en soirée BDE là. Là, je suis parti à côté quoi. Sud-Ouest, attends, on est où nous en fait là? Parce qu'en fait, moi, je suis bon sur. Attends, là, je vais au sud. Donc si je vais au sud, je croise le club. Donc je suis là. En vrai, je suis là, non? Et là, je vais à l'ouest. À l'ouest, c'est quoi? Putain, oh là là, c'est le parking là-bas là? Construction du centre nautique. 30 millions, vache. C'est bien que ça redynamise Lens et tout. Hein. Lens, ça nous régale, tu vois. Ils ont fait un gros coup d'ailleurs au foot, là. J'ai vu, ils ont signé un gars vraiment bien, je crois. Attendez, je me disperse. J'ai l'impression que je me disperse. Bon, concrètement, Stade Bollard, c'est là. Je pense qu'on peut se le faire déjà à... Je suis dans un trou. Donc si je suis dans un trou, tu vois, et que je suis dans un croisement... Oh, Marc-Vivien Fauvé. C'est vrai qu'il a été lensois, Marc-Vivien. En vrai, je suis là, non? J'ai l'impression que je suis là. Mais là, c'est une allée, ça m'a pas l'air d'être une allée. Là, il y a des trams. J'ai pas de tram, là, près de chez moi. J'ai pas de tram du tout, là. Fin seconde. Non, mais moi, je sais pas faire ça. Je suis là, et on dit que les trams, c'est là-bas? Oh, les vilains trams. Ou alors, c'est là, plutôt. C'est là. Bon, je vais mettre là. Mais non, je suis là, en fait. Je suis con. Je suis genre là. Ici, je suis là, ça ira très bien. Merde, putain. Oh, je suis con. Bon, 4998, ça va quand même. Bravo. Le Stade Bollard, hein, bien sûr. Hein. Stade Bollard. Merci, Lens. En Ligue des Champions l'année prochaine. Tout le monde a été bien. On a les deux petits points qui feront la différence à la fin, mon PA. Non, mais il faut des trucs plus traîtres là, parce que moi j'ai 10 000 points à remonter quand même. Hein. Bah, il va y avoir des trucs plus traîtres, c'est pour ça que les 2 minutes peuvent être bien. On est reparti pour un nouveau round. Allez, okay, t'as pas appuyé, t'inquiète. Oui, je sais. Allez, c'est Tipar. Bonne chance à tous. Oh, la tour est faite. Ah, bah, ok. Oh, elle est dure. Alors là, celui-là, bon, ça c'est un run un peu plus facile. Parce que, ouais, il y a tout. Ça, j'ai pas compris d'ailleurs. Ici, il y a une construction maintenant là. Mais je sais pas ce que c'est exactement. Alors en plus, je crois que c'est le Grand Palais, non? Il n'y a pas un truc, c'est le Grand Palais? Place de la Concorde, là, on n'y est pas, là, en fait. Hein. Attends. Tour Eiffel 1, Tour Eiffel 2, là, c'est Grand Palais éphémère, c'est ça. C'est ça, en fait, là, le truc. Bah, pour moi, on est là. Statue du Maréchal, je suis juste devant la statue du Maréchal et devant le Grand Palais, tu vois, donc... Moi, je nous mettrais là, je peux mettre ça comme ça. On peut discuter ensemble, hein, si jamais vous voulez me dire. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour les grands palais éphémères, c'est pour le judo. Judo, honnêtement, on a là les chances de médaille au passage. Hein. C'est vraiment dur. Bah, c'est les différents points. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont très techniques, il y a des points qui sont un peu plus faciles. Stade Bollard de Lens, tu pouvais peut-être un peu... Allez, c'est guess, hein, bien sûr. Toi, t'as réappuyé, toi. Hein? T'as réappuyé. Bah oui, j'ai réappuyé pour vous faire chier, oui.
Moi, j'ai terminé, donc évidemment, j'ai appuyé. HM ! Ça peut être bien, ça. Il est fort. Mais tu m'entends, toi ? Hein ? Non, tu m'entends pas. Non, tu m'entends dans le... Oh là là, il est si connu le stade de Lens. Non, mais Lens, c'est une terre de foot, tu vois. Lens, c'est une ville de 35 000 habitants où ils sont 40 000 au stade, quoi. Dans l'idée, donc, même en division 2. Donc, bienvenue le skin 6ème 4. Vous aimez pas mon skin ? Mais c'est mon skin, de temps en temps, je le mets dans la vraie vie. Voilà, j'ai dû retourner la casquette, là, mais... c'est... Vous aimez pas ce... C'est pas un skin que j'ai mis pour la soirée. C'est un skin... c'est un skin parfois permanent. Bollard, pas connu. Non, mais t'as des gens qui suivent pas spécialement le foot, quoi. Pourquoi t'as gardé la sacoche ? Bon, je sais pas, parce que je mets mes trucs dedans. En vrai. Je l'aime bien, moi. C'est pratique. Ah ouais, là, c'est... C'était cadeau. C'était cadeau. Mètres, bien sûr. Ça a... Oh non. Non, mais t'as... Mais tu l'as déjà. Je me suis mis de l'autre côté, moi. Ça Anna joue à Margot. Quelques points. En fait, je pensais qu'on était de l'autre côté du champ de Mars. Mais t'as la boussole. J'utilise pas la boussole. La tour Eiffel était à ton nord-ouest. Donc, non, laisse tomber. Ok. Nos boussoles. Mon chat a déjà essayé. Ah, ça enchaîne. Ah, ça enchaîne. Ah, ça enchaîne. Les points sont faciles, là. Oh là, oh là. La tour Eiffel. Ok. Qu'est-ce que j'ai dû passer au présent ? Ah là, c'est des trucs où on va pouvoir peut-être gratter des points. Médiathèque Valérie Larbeau. Alors, on est dans quoi, là ? On est dans quoi ? Marvo, j'ai vu, là ? Mobine ? Mobine ? C'est quoi, Mobine ? Morzine ? On est dans quoi, là ? Non, mais attendez, faut pas que je passe trop de temps non plus, parce que sinon, attendez, je me cache le chat, si genre vraiment... depuis tout à l'heure, j'arrive à vous esquiver, mais là, je vois des trucs bouger en bas à gauche... Comme ça, mais là, ce qui. Rohan Mancon, on n'est pas loin de Lyon, là. Moulin. C'est où, Moulin ? Moulin. On est peut-être à Vichy, hein, comme il disait, là. Moulin ? Ah, Lyon-Saint-Etienne, A89. A89, c'est là. Ça nous parle de Thiers, de Le Puy. Rohan, Mâcon. Donc, non mais honnêtement, je pense qu'on est vraiment à Saint-Yor. Mais on est à Vichy en fait. Je pense qu'on est à Vichy vraiment. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux aller à Rohan, à Mâcon, qui est là. Et là, moi, je ne trouve pas Moulin, mais je pense qu'on est vraiment à Vichy. Mais je pourrais me... Coiffure Patricia, c'est typique ça. Oh, il y avait Clermont-Ferrand par là. Oh, le con, A719. Bon, on est clairement à Vichy. Ensuite, comment est-ce que je te trouve ça ? Le kebab, la rubesse. En vrai, c'est pas forcément le truc qui m'arrange le plus. La rue Bélair, oh, ça aurait été beau là, de la trouver comme ça. La rue Gaillard, la rue Binot. Non, on va aller là. Vite. Envoie-moi. C'est quoi ça ? C'est un parking, c'est un gros parking. C'est où les gros parkings? Là, ah, je panique. Putain, je l'ai mis de l'autre côté. Ok. Stratégique celui-là. J'ai l'impression que c'est une map tactique. Les 5 points ici, ça va jouer à quelques points pour savoir qui on va se tient tous dans 7 points là, c'est une dinguerie. Vichy, j'ai un peu paniqué à un moment donné. Moi j'ai total piffé. Genre vraiment, j'ai pas trouvé Vichy, mais j'ai trouvé tous les bleds autour et j'ai fait, je sais pas. Ça doit être là. Ouais. C'était là. Ouais, Vichy. Solide. Moi je suis tombé sur les panneaux verts avec Mâcon, etc. Moi, c'était l'université de Vichy, j'ai trouvé moi un truc comme ça. C'est comme ça que j'ai trouvé Vichy. J'ai paniqué, j'ai fait que je trouve vite. Les amis, avant-dernier round de la map. Let's go. Rive en tête sur celle-là. Ouais, à 2 points. À quelques points. Alors attendez, parce que là c'est quoi ? Là il y a encore. Ça c'est quoi ? C'est la grande mode. C'est pas la grande motte, ça ? J'ai un feeling grande motte. Après, bon, voilà, Atrium, s'il y a un Atrium, c'est que les Romains sont passés... Bon, après, est-ce que les Romains sont passés à pas mal d'endroits, quand même hein ? Faut le lire. Voilà, bah voilà, si on se faisait un peu de Jules César, là. Pourquoi pas ? Mais en vrai, tu vois ? Attends, merde, mais je fais le tour du rond-point, putain.
Mais je me téléporte au mauvais endroit là. Je n'arrive pas à savoir où on est là. Megachos, Megachos, GFA Caraïbes. Ah mais attendez, mais est-ce qu'on n'est pas en fait genre... Est-ce qu'on n'est pas à Saint-Denis, à l'île de la Réunion? Je crois qu'on est... Parce que c'est genre Caraïbes. Grand Sud, Nord... Fort Saint-Louis. Fort Saint-Louis, mais attends, est-ce qu'on a l'île de la Réunion? C'est pas les Caraïbes, la Réunion, je suis con, quoi. Ça veut dire que... Attends. Ça veut dire que... Oh là là, il a fait y avoir une dinguerie. C'est où Ah, c'est là. Martinique. Fort Saint-Louis. Attends, c'est où? Il me reste du temps encore ou pas? Richard Voyage, 25 secondes. Non, mais du coup, ça va être la capitale. Enfin, la capitale, la préfecture, c'est Fort-de-France, je pense. Après, je sais pas, mais ça peut très bien être Dominique. Guadeloupe. Je vais envoyer Fort-de-France et je vais envoyer, on est au sud. Je vais envoyer le cruise terminal. La mer est au sud-ouest. Sud-ouest. Je vais envoyer là. Oh. Oh, j'étais pile bon. 110 mètres, oh là là. Oh, le MV. Let's go. Comment vous avez trouvé la ville? Ouais, c'est moi qui étais plus loin. Moi, c'était par déduction. La ville était pareil. Grande, donc je me suis dit, c'est Fort-de-France. Quoi. Moi, j'ai regardé la mer au sud et j'ai regardé les grosses villes avec la mer au sud. Et il y avait Fort-de-France. Comment vous avez trouvé la Martinique? Moi, j'ai pas trouvé la Martinique. Moi, j'étais en pif-pif et je me suis dit, bon, ouais, c'est marqué partout. I love Martinique. Dès le début, t'avais Martinique. Ouais. Ça va, Martinique. Une échoppe. Rive qui s'écroule peut-être sur ce point. Ça, c'est dur. Pourtant, j'étais content. Moi, j'ai dit, ah, mais non, mais c'est pas du tout le sud de la France. C'est peut-être les rom-com. Et je suis en mode, oh, je suis en clutch. Je pensais que c'était la Réunion, j'ai vu Caraïbes. Je me suis dit, allez, vas-y, on va. Il y a eu un petit doute d'ailleurs de savoir exactement resituer quand même Guadeloupe et Martinique. Oh, dernier round de cette map, allez. C'est reparti. Allez. Après, même si je le perds, même si je suis derrière, on est tellement close les uns des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une gare. C'est une gare de quoi là? C'est une gare. C'est la gare d'Arras. C'est la gare de Meaux. Meaux, c'est pas. Ah non, c'est Melun. J'ai l'impression que Meaux, c'est vers là. C'est grave. Si vous avez des questions dans le chat, j'ai l'impression de pouvoir un peu discuter tranquillement entre nous. Histoire de... Voilà. Ouais, du coup, je vous disais le chat. Vous, qu'est-ce que ça a prévu demain? Moi, c'est vrai que ça sera sûrement Solidays. Voilà, hier, il y avait SCH, ça a l'air sympa. Oh, aïe. Eh, ça, c'est pas mal, hein. Détente, il fait beau. Si vous voulez, on aura des codes GeoGuessr Pro, je crois qu'ils vont tomber. C'est le cadeau de la vie du siècle. Non, mais c'est pas très très cher, mais si jamais vous avez envie de jouer, parce que c'est vrai que GeoGuessr est payant désormais une petite somme pour faire tourner les serveurs Gmaps, etc. Mais demain, la fête du vin à Bordeaux, sympa ça. Je savais pas que cette ville existait. Bah, c'est. J'avoue, je connais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était Melun un peu, mais Meaux, j'ai déjà entendu. Donc, tu peux expliquer le système de points pour chaque map, le cumul. Alors, en gros, si tu veux, là, on est en zone France, donc le cumul se fait généralement. T'as 5000 points si t'arrives à être dans un delta de 16 mètres autour du point très précis. Si jamais vous connaissez pas GeoGuessr, c'est vrai que j'aurais pu quand même faire l'effort de préciser ce que c'est. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que si vous êtes encore là et que vous connaissiez pas GeoGuessr, vous l'avez compris. Donc au final, bon, est-ce que c'est encore besoin? Ça, on sait pas. En tout cas, vous arrivez, boum boum, du petit Google Map, du Google Street. Qu'est-ce qui se passe? On regarde autour de nous, on se déplace, on doit retrouver le point exact sur la map. Plus de 16 mètres, 4999 points, et chaque 16 mètres où vous éloignez, vous perdez un point de plus en plus, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Voilà tout. Du coup, plutôt sympa. Et pour l'instant, je suis pas mal. Hein. C'est pas France, c'est monde, puisqu'il y avait Martinique. Alors non, c'est une map spéciale. C'est une map spéciale avec justement les dom-dom. Si jamais... Allez. J'ai frappé fort. C'est... Oh là là, la galère! Exactement, j'ai trouvé la flamme. Ils indiquent Soissons, Châlons, Champagne et tout. Bah, ouais, heureusement, grâce à ça, je suis remonté parce que pour moi, Meaux était en Essonne, donc j'étais au sud. Et ensuite, je me suis dit, ok, Senlis, je vois, c'est vers Chantilly. Mais et vous cherchiez, vous avez vu Meaux tout de suite? Ouais, ah, oui. Ouais, la gare de Meaux. Vous trouvé Meaux au cas où c'était. Moi, je savais plus où c'était et après, j'ai vu Reims, Châlons et tout. Mais t'as vu comment ils indiquent les gens? Je me suis mis sur Châlons en Champagne, du coup, en me disant, bah, je serais pas trop loin. Ouais, ouais. J'ai cherché, je regardais. En fait, le problème, c'est que la tête des gens était floutée et je cherchais Jean-François Copé.
vrai que t'aurais pu j'ai bien galérer, trouver, quoi. Ouais, ouais. En deux minutes, ça fait être chaud. Hein, c'est la difficulté du jeu hein, de flouter les visages comme ça. En vrai. De pouvoir faire le tour comme ça. Écoutez, on va checker tout de suite. C'est trop dur. J'ai raté un seul round et je me retrouve cinquième. On était tellement stack sur ce deuxième. Ouais, cinquième en perdant pas. Les points pouvaient être un poil plus simple. Parce qu'on regarde là du coup 24 975, 985 MV qui gagne ce round. Il est allé le chercher. 24 127, 4ème Gomar, 24 396 pour Ultia. Et Riv qui a été un peu plus loin sur le classement général. Écoutez, on est quand même dans un mouchoir de poche. Mais en vrai, je me dis qu'il y a eu des plus gros écarts au premier round. Donc même si je suis 5ème, au global, ils ok. Non, parce que là, on est tombé quand même. On a eu direct Bollard, donc Lance. On a eu la Tour Eiffel, donc des points où ça ne joue à pas grand chose. Il peut y avoir des difficultés, des petites complexités, ça c'est vrai. Mon cher Riv, on vient de finir une game. Oula. Ah, vous n'avez pas le hurrah? Oui, c'est le tanké bien, hein, vous avez réussi. C'était ok. Vous avez été très chaud. Riv, c'est vrai qu'on vient de terminer une game, on parlait JO, etc. J'ai envie d'une petite anecdote. En fait, moi je me demandais si au départ, je croyais que la flamme, elle partait de la ville précédente où étaient les JO, en mode elle part, les derniers Jeux Olympiques, et hop, elle va à la ville et elle arrive à Paris. En fait, pas du tout. Elle est allumée à chaque fois à Olympie, donc en Grèce, à chaque fois pour quelques mois avant justement les Jeux Olympiques. Donc du coup, elle part de Grèce. Et j'ai aussi regardé comment est-ce qu'ils transportaient la flamme. Et en fait, parce que normalement, tu n'as pas le droit de transporter quand tu prends l'avion, parce qu'elle va prendre de temps en temps l'avion. Parce que normalement, tu n'as pas le droit de transporter de flamme ou dans les avions. Du coup, ils ont créé des petits socles et des petits systèmes pour enfermer 4 petites flammes dans l'avion spécifiquement pour ça, et c'est considéré comme un transport dangereux, donc il faut faire vraiment attention. Il y a beaucoup de législation autour de la flamme pour pouvoir les transporter dans les avions. C'est hyper sécurisé, paramétré pour que ça puisse être le plus safe possible, quoi. Donc voilà, vous tapez, vous avez plein de petites images assez improbables de ça. Donc, la flamme qui arrivera ensuite à Marseille en premier lieu. Oui, c'est vrai, c'est Marseille France. Qui arrive en premier, effectivement. Et ensuite, qui se balade un peu, hein, vous l'avez compris, ce soir, c'est le but aussi de faire du géoguesseur, de revoir les différents coins de France. Exactement. Et du coup, les coins que vous avez, c'est exactement là où ça passe. Si jamais vous êtes dans ce coin-là, à chaque fois, c'est vrai que c'est quand même un truc assez sympa. Riff, je te vois bien courir avec la flamme. Moi, j'aimerais bien, moi, en vrai. Je trouvais ça cool. Mais par contre, après, je sais pas combien de temps tu cours. Est-ce que tu cours 1 km parce que c'était à la flamme? 4 heures. Alors bon, je sais que. Je pense, parce que j'avais vu, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui. Alors ça reste un truc de méga, méga privilégié. Donc si jamais vous avez la chance. Genre, je fais une petite passe D au passage, mais à partir du 17 juillet sur l'appli Coca, vous pourrez avoir une chance d'être sélectionné pour porter la flamme olympique. Mais je pense que c'est des tronçons, quoi, de 100 mètres, 200 mètres. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc. Après, tu montes ça à tes gosses plus tard. Moi, j'aimerais trop. Tu vois, t'imagines, là, il passe à Brest ou à Vannes. Moi, je serais trop fier de porter, je demande à tous mes potes. Moi, je la ferais tomber. Oh, le cassage de gueule. Tu brûles quelqu'un en or. Dans un petit lac. Tu fais le tour du monde, tu sais, l'enfer. Je serais trop fier en vrai de faire. Donc voilà, petit shout-out. Si on nous regarde, petit appel. Il veut porter la magie de la flamme. Je veux porter la magie de la flamme. Il est très bon. Troisième game, ça part, ça part, ça part. On enchaîne. On encourage à tous, bien sûr. Il va falloir que ça soit plus dur. Il veut un peu des points difficiles. Il a craqué dès le début sous la pression et ensuite. Oh là là, il y a un trap. Il panique ce mec. Où est-ce qu'on est là? Oh là, on est sur une ville de tramway, cheval rouge, drive piéton, un petit Leclerc. Qu'est-ce qu'on a là? C'est de la ville, hein, la fenêtre sur cours, pourquoi pas mon ami. Fenêtre sur cours, je pense que j'aurais pu prendre une bonne info là. En tout cas, ça se passe bien pour l'instant. Pour moi, j'ai été hyper régule. Hein, parce que c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude que je sois en tête. C'est vrai, c'est con. Montard, c'est où? La Fontainebleau, Montargis, tout ce... Nevers, c'est plus bas quand même, non? Ah oui, Nevers, c'est quand même très très loin. Fontainebleau, Montargis, Blois, Vierzon. C'est où Vierzon? Non, mais attendez, j'ai l'impression qu'on te donne des infos où c'est vraiment... genre, on peut être à Valenciennes où t'es en mode, tiens, démerde-toi, là. Attends, parce que là, je panique, là. Là, je panique, parce qu'une minute, c'est vrai que ça va vite. Ok, il y a des trucs. Il n'y a pas tant que ça, des infos, donc il va falloir être bon. Ça, c'est les villes. C'est les villes un peu sympas. Les Halles, mais attends, il y a quoi, là? Les Halles. Il me faut une ville, là. Parce que Châtelet. Attends, Châtelet, mes frères, on est à Paname. Qu'est-ce qui se passe? Châtelet, Les Halles, moi, faut pas m'en dire plus, là. Hein.
Là, 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 une info, là. Un panneau. Le Mans, Blois. Mais attends, mes frères, ils ont couvert la moitié de la map, là. Fontainebleau, Le Mans, Blois, Orléans, du coup. Orléans, Orléans serait quand même... Mais c'est Orléans, j'y étais en plus. Pardon, j'ai hurlé. Merde. Nevers, Fontainebleau, Montargis, parce que tu vois... Moi, je pense que c'est Orléans. Je veux dire Orléans parce que j'y étais. J'ai galéré à charger ma caisse quand j'y étais en plus. C'était un peu un bourbier, je dois vous l'avouer. Et je pense que du coup, on est dans le centre ici, là où il y a le tram, Châtelet. Tac, tac, tac. On a fait 2-3 virages. Je veux dire qu'on est là. On est peut-être. On est dans ce virage. Non, on doit être dans celui-là. Est-ce qu'on est là? On est pile dans ce virage. On est pile dans ce virage. Taille patron. Oh là là. Je ne sais même pas qui je suis. Ouh, je sais ça pas reste qui très serré. J'ai eu la chance sur le Mans, enfin sur Orléans, pardon. Tout le monde a trouvé Orléans. Félicitations, ça joue encore à quelques centaines de points. Ça reste très très serré. Je vous renvoie un round quand c'est aussi serré là. Quand tout le monde trouve, on enchaîne. Là, ça okay. Part. Ça chasse. Ok, laboratoire, on s'en fout. Non, mais l'autre, putain, élevé, j'en peux plus. Ah non, c'est bon, là, démuté. MV, je sais pas lui dire. Je sais pas. En fait, tout à l'heure, il s'était démuté pour faire chier. Mais je pense qu'il a pas compris le truc. Oh, ils ont détruit la gare. Ouah, ils ont détruit la gare. Qu'est-ce qui détruit les gares? Des zones un peu où tu te disais, putain, ça pouvait le faire. Et en fait, ça détruit des gares, quoi. Encore. Encore, c'est la capitale de... Ah non, c'est... C'est pas la capitale... Ah non, c'est en Corvate, là. C'est pas un monument au Cambodge, là. Non. D'ailleurs, là, excusez-moi, parce que je parle vraiment, j'ai l'impression de juste étaler la peu de culture que j'ai. C'est vraiment que ça, quoi. J'ai quatre infos et je te les mets à toutes les sauces. Attendez, encore, ça me fait penser à quoi? Ça me ferait pas penser, quand même, à une merveille? C'est pas une merveille, mais... Institut Urashi, ok. Je pense que 2 minutes, c'est le timing parfait parce que ça te permet d'être quand même bien stressé. Là, tu vois, il me reste qu'une minute. Je suis en galère. Et comme on est en ville, ça va. Donc, c'est à la fois de la perf et en même temps... Non, mais là, si au bout de la route, il n'y a pas quelque chose, il faut que je recule, je pense. Allez, allez, le panneau, c'est de la merde. Saint-André-les-V, je suis mort, moi, là. Magasin du pont Saint-Unis, tac, espace Béglet. Oh là là, c'est un happening. toute direction, cousin, s'il te plaît. Gare, ok. Toute direction. Ah, Justimo, moi je... C'est trois. Le clic. Le clic. Ouf, on pas mal. On limite la casse. Mais putain. J'ai chaté deux fois. Je l'ai vu au dernier moment. J'ai eu pareil. Au dernier moment. T'as eu sur un panneau publicitaire. Oh là là, la galère. Ah, dès le début, ouais, il y avait sur les billes. Il y avait pas d'indice à part le. Moi, j'ai vu un numéro de téléphone, donc du coup, je savais à peu près où on était. Il y avait marqué que c'était la Champagne partout, mais. En fait, au début, t'avais un panneau publicitaire 3 Paris et t'avais le bus où il y avait marqué 3. Moi, c'est grâce au bus que j'ai trouvé 3 aussi pour le coup. Après les Halles, je me suis dit plus ou moins ensemble. Et après, rue Général de Gaulle. J'ai cherché Général de Gaulle, République, je l'ai trouvé à la toute fin. Bravo. Je trouve solide aussi. Ouais, bravo, solide aussi. Bravo. Je m'écroule sur cette rue. Aïe, 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 c'est pas terminé, Ultra. C'est pas fini, allez, round 3, allez. C'est le mental qui prend le dessus maintenant. C'est ça la rapidité. En fait, ça, c'est assez difficile de... C'est assez difficile de le louper, si vous voulez. C'est... Bah ouais, je dois vous le dire, les gars, Il y a deux, trois trucs comme ça où je suis assez monstrueux. On est clairement sur Chartres. Vraiment, je vous ai raconté une anecdote, si vous vous souvenez. Je suis allé à Chartres. Ma meuf s'est niqué la cheville ici. Vraiment ici, à cet endroit-là. Et ici, en fait, ils te projettent un super spectacle sur la cathédrale. Et donc voilà, c'est... Si vous voulez, est-ce que c'est cette rue-là après? Bon, après, j'ai toujours ce moment où je vais mettre une demi-heure pour trouver le bon endroit. Ah bah non, c'est juste là. Donc, on a spawn où? Ah non, mais là, pour le coup, moi, je peux te dire que... En fait, l'avantage que j'ai désormais, c'est que j'ai une histoire de niquage de cheville à peu près à
toutes les villes, tous les coins de France. Donc c'est vrai que ça permet de voilà, déjà de nourrir des discussions en soirée, etc. Mais ensuite, voilà, ça permet une certaine assise sur GeoGuessr, des souvenirs qui sont quand même assez clairs, quoi. C'est vous former le couple parfait. Toujours la cheville. Ah ouais, non, il y a de la clavicule. Clavicule à Marseille, si tu veux. Marseille, on était vraiment pas loin du Vieux-Port. Coin très sympathique. C'est pour mémoriser les endroits. Moi, je n'imprime pas bien dans ma tête le moment. Voilà, je fais des photographies via des blessures. Ça, c'est quand même bien. C'est quand même plaisir. Te manque les croisés. Ah, les croisés, on va essayer de les éviter quand même. Une ville, une fracture. Non, mais là, forcément, ça fait la diff. Est-ce qu'ils vont trouver ou pas ? Quand même une grosse cathédrale. En vrai, j'y étais allé. Hein. C'est sympa, mais... Bon, et d'ailleurs, il n'y a pas... Si, à côté, là, il y a la tanière, si je ne dis pas de bêtises. Le refuge des animaux blessés, etc., qui avait fait une vidéo avec Joyka, on en avait beaucoup entendu parler. Je crois que c'est juste à côté de Chartres. Je crois que, je ne sais pas si vous voyez mon PC, mais c'est genre là, je crois. Je ne sais pas si c'est Chartres, je crois. Oh. Je sais pas aussi. Ouh. Oh, Gomar. Moi, je savais pas où c'était Chartres. Ah, j'ai gagné. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, moi, au début, je partais dans les rues et tout. Je me suis dit, non, c'est pas possible, il y a une info avant et j'avais pas vu le truc du petit train. Ah, le petit train de Chartres. Ouais. Le fameux. Ah, c'est pas... Vous avez pas... T'as pas vu, toi ? Moi, vraiment, j'ai l'écriteau de la rue, il y avait marqué merci à Trucmuche, ville jumelée avec Chartres. Exactement, j'ai trouvé le même panneau aussi. Vous connectez. Du coup, Bethléem. Une cathédrale facile. Bien sûr, ouais. Cathédrale de Chartres. Petite rue de Bethléem. Moi, je disais là à mon chat, genre en fait, j'y étais allé et ils font des projections sur la cathédrale, etc. Mm. Bah, comme dans... Ah, c'est trop beau, ils le font dans plein de grandes villes. Et ouais, vraiment, j'adore. La rue, bah, le point de. C'est qui a mis juste à côté ? Quelqu'un a mis un point ? Je crois que c'est exactement ce point-là. Je sais pas qui c'est. Deux. C'est toi, Riff. C'est toi, moi, ouais. Bah, le point où t'as mis, c'est exactement là où ma meuf s'était foulée la cheville quand j'y suis allé. Donc, si tu veux. c'est des photos souvenirs. Voilà, c'est vraiment un couple, là, un couple de boulets. Bah, exactement, c'est ce qui nous caractérise. Je suis désolée, mais c'est des moments forts. Ça permet d'avoir 5000 points. C'est vrai que c'est un beau souvenir, en tout cas. C'est un beau souvenir. Tu connais les maps, PA. Attends, Chart, là, ça va en vrai. Je vais mettre un huissier là-dessus. Oh là là. Ça commence les accusations. Round 4. Allez, c'est parti. Oula. Attendez, est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Non, mais là, c'est quoi ça ? La tendresse de Dieu. Ah, bonjour. Ah, c'est big, hein. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de beaux bâtiments en France. Ouah, canard, foie de canard. On a l'impression d'être dans le sud-ouest, peut-être déjà, premier sentiment comme ça. Oh, place à Santa Maria, canard, etc. Je me dis, soit on est à Toulouse, soit on est à Carcassonne, tu vois. On est chez les Catalans, donc on est à Perpignan, je pense. Je pense qu'on est à Perpignan, en vrai. Et vous avez une cathédrale à Perpignan, un truc comme ça ? Basilique ? C'est une basilique. Je pense que c'est la basilique. Je pense que c'est la basilique... Non, bon bah du coup, non, peut-être pas, je sais pas. Chapelle du Tiers-Ordre ? Rue Saint-François de Paul ? François Rabelais ? Bon, j'en fais peut-être beaucoup, là. Encore une fois, est-ce que je suis pas en cake, là ? Je crois que je suis en cake qui veut en faire trop. On va cliquer un peu ? On va cliquer un peu ? Non, mais c'est catalan, ça doit être Perpignan. C'est pas Perpi ? Au quartier de Saint-Jacques. Alors, on étale, on continue, hein, on n'hésite pas. Circa, 35 festivals de cirque actuel. Mais envoyez-moi votre ville, là. Soyez pas timide. C'est où, là, votre truc ? Pronostic ? Parce que catalan, il n'y a pas tout qui est catalan, quand même, place Jean-Dour. 40 secondes, hein ? Haute direction. Centre-ville, Hoche. Ah, putain, Hoche, c'est plus haut, non ? Mais Hoche, c'est beaucoup plus haut. Hoche, c'est là. Hoche, Gers. Bah, du coup, c'est Hoche, je pense. Ah bah c'est la cathédrale... C'est la place ou pas là ? Place de la République, putain, heureusement qu'on a eu Hoche. Hein. Putain, je suis... Je pense que cathédrale, du coup, tac, tac, tac. Il y a la ruelle, oh, on est pile là. Allez ! Je m'en rappelle pas. Ah, belle ville d'Hoche. Ah, mais vous êtes trop chaud, hein. Je savais même pas sûr que c'était une ville. Mais je savais même pas que ça existait, cette ville. Désolée, horrible.
J'ai trouvé parce que j'ai vu qu'il y avait du canard et je me suis dit c'est dans le sud-ouest et j'ai zoomé et j'ai fait ah mais c'est vraiment une ville. Bah, bonne déduction. Moi, j'avoue, c'est le rugby moi qui m'a pas mal aidé. Hoche, je savais que c'était du coup un peu dans le sud-ouest. Ils sont top 14 ou encore ? Non, ils sont en dessous, mais je sais que c'est une ville de rugby. C'est historique quoi. Donc du coup, je me suis dit ça doit être dans le sud-ouest. Nous, on faisait juste des vannes nulles dessus quand on était ado et je sais pas pourquoi je me dis mais je sais, j'ai aucune idée d'où c'est et j'arrive vers Toulouse, je fais ok, c'est là. Coup de chat. Moi, j'étais persuadé parce que premier truc, je vois Place de la République et c'est du catalan, c'est du quoi ? Du coup, non, c'est ah oui, c'est l'occitan. C'est de l'occitan peut-être. Mais du coup, j'ai pensé que c'était du catalan, je pensais que c'était Perpignan et tout. Et encore une fois, j'ai chaté, je trouve Hoche à la toute fin. Comme quoi, le script est bien fait. Le script, ouais. 5000 points. IRP, genre, je sais pas. Ah, c'est là. Oh, bah tiens, 2 mètres. J'aurais aimé que le script soit clément envers moi. Tu vas avoir une petite feuille pour la quatrième. Il y a un point dessiné juste ici, si tu veux. Comme ça, t'as absolument tout. Dernier round de cette map, c'est parti. Allez, let's go. C'est l'Occitan, ouais, on me dit là dans le chat. Ah, l'Occitan, ok. Je... Alors... Jouer avec le chat. Hein. je perds. C'est comédie. Place de la comédie, c'est à Montpellier, non ? Oh, le no move. Moi, je mettrais ça, moi. Je mettrais place de la comédie, moi. Est-ce qu'il y a le cinéma, là ? Diagonal cinéma. Ah mais c'est pas un diagonal, c'est un. Est-ce qu'il y a un Gaumont ? Parce que si c'est no move. Ah mais c'est. Non mais. En vrai, je suis les frères, excusez-moi. J'ai envie quand même de me la péter un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est mon jeu fort quand même. J'ai l'impression que GeoGuessr est mon jeu fort. Je suis en dessous d'Antoine, etc. largement, tu vois. Mais honnêtement, à part Antoine, tu vois. Moi, je pense qu'Étoile, je le graille. Étoile, il n'a pas voulu venir. Étoile, soi-disant, il avait une soirée au musée ce soir. Bizarre. Enfin, bref. Allez, je laisserai les quelques points aux bonnes gens. Aux bonnes gens qui en ont besoin. Comme ça. J'ai eu direct. Hein. Comment je déchire les tickets. C'est pas chez moi. Non, bah après, en fait, on a vraiment fait beaucoup de The Event là-bas. Donc, si jamais. Pensez The Event. Je dis jamais. Hein ? Celui-là ? Pourquoi ? Ah, non, bah, mais c'est vrai. Après, celui-là, on a tous un événement commun qui peut nous aider quand même. Hein. Où on est tous allés, quoi. Oh non, c'est giga chaud. Organisé par le Z. Oui, bah c'est du bon, coup, ça y est, je suis là. Je suis là. Suzerator, dont je parlais. Oui, c'est ça. Okay. Attends, par contre, j'ai pas l'endroit exact. Un endroit au milieu, genre big. On va pas tout donner non plus, Gomar. Le McDo. Le McDo, il est à mon ouest. Tu peux nous montrer le classement, je vous montre à la fin. Je vous montre entre les games. À quelques mètres. J'ai failli bouger en pensant, tu es à 5 mètres. Mais moi, je reconnais pas. Let's go. Et tu vois, bah, typiquement, par exemple, quand je faisais tout à l'heure, genre, bah, Montpellier, j'ai déjà été plusieurs fois, ouais. Mais là. Mais pas possible de reconnaître, tu vois. Ouais, j'avoue que. En plus, c'était de nuit et tout. Ah ouais, oh. Ah ouais, elle est très reconnaissable, je trouve. Enfin, après. J'ai vu, putain, mais Ulti, elle a déjà terminé, elle regarde son phone. Et je me suis dit, parce que moi, je me souvenais pas, j'avais plus la fontaine en visu, donc j'étais pas sûr, mais oui. C'était là où j'étais. 20h, c'est vrai que nous, quand on est là, même moi, j'étais pas sûr, hein. J'étais en mode, bon, j'ai déménagé il y a que 2 mois, mais je crois que c'est mais là. Mais oui, je suis con, en plus, je suis déjà allé. J'ai pas fait le. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, je me souviens bien et tout. Ah, c'est fini. Troisième game qui s'achève. Ouais. Troisième game qui s'achève, c'est en 5 games au total. On va pouvoir donc voir les. Félicitations. On a encore une fois un Rivetti de gala. Hein. Let's go. 24 972 là-dessus. Mais là, du coup, je pense que je dois pas être si loin que ça de Ultia parce que vu que j'ai pas perdu beaucoup au round précédent face à t'as toi. T'as dû gratter tu des vois, points. On sait que je suis meilleur que toi à Smash et Mario Kart et du coup, j'ai GeoGuessr. C'est aujourd'hui que c'est ça va être départagé. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. On voit ça, c'est les points de la game 3, le classement général. J'ai toujours une petite avance. Il est vrai dans le plan se passe avance. Comme prévu ce soir. T'as une belle voilà. Avance quand même. Rivenzi derrière 67 000, Ulti à 64 000. Pour l'instant, on a quelqu'un qui était peut-être favori qui n'est pas sur le podium. Oh, c'est la première game. Hein. Pourtant, la chauffe a été dure. C'est vrai que tu perds 10 000 points sur la première game. C'est ça en fait, ouais, tout simplement. On a tous dû chauffer. Et Gomar 56 000, il reste encore deux games. Ouais, ça, non, ça va, je trouve que en vrai. Moi, j'avais prévu de faire des dingues partout. Hein. Bah écoute, non, ça va, tu t'en sors bien. En vrai, t'as eu quoi, juste un Hoche que t'as pas eu, je crois. Ouais, Hoche, ouais. Et il y en avait un autre aussi, Chartres.
Ouais, ah, c'est vrai qu'il faut quand même pas mal zoomer pour savoir où c'est, si jamais tu l'as pas. Rivendi, si tu veux, tu peux rejoindre, mais avant que tu rejoignes, peut-être. C'est une anecdote, quoi. Ah, vous voulez une petite anecdote? Le père Castor, il est en anecdote. Petite anecdote. Qu'est-ce que t'as en stock en ce moment? Là, c'est une rapide, c'est une petite. Hein, c'est une petite. En fait, en gros, vous savez, souvent, quand on va déposer la flamme olympique, souvent, c'est un mec qui arrive et qui prend vraiment le flambeau et qui met dans la flamme. Ah, en 92 à Barcelone, ils se sont chauffés. C'est un archer qui a enflammé sa flèche et qui l'a allumé. Et j'étais en mode. Il vit pour les caméras. Il faut pas qu'il l'arrête. Sinon, c'est dramatique. Il peut avoir soit le spectateur, soit ne jamais allumer cette flamme. Il devait tellement trembler, le mec, en plus. Non, mais du coup, il l'a mis quand même. Mais voilà. Mais oui, du coup, à Barcelone, ils l'ont allumé avec un archer. Ah ouais, c'est vrai, c'est le truc. Mais je sais même pas comment ils vont faire à Paris encore pour l'allumer, s'ils vont faire un truc particulier ou quoi. Et parce que souvent dans le dernier relayeur, c'est hyper important le dernier relayeur, tu vois. Celui qui va porter la flamme, c'est souvent très symbolique, etc. Machin. C'est annoncé, ça. Je sais pas qui va être le dernier relayeur. Je crois que c'est un peu au dernier moment que c'est au courant. Squeezie, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo en Vélib normalement. Mais je sais pas qui ce sera. Va jeter un Vélib en feu dans le brasier. C'est encore à vérifier. C'est encore à. C'est en discussion. C'est un insight. T'étais sous NDA, je crois que c'est sous NDA, je valide pas. Denis Tanguay a dit hier qu'ils n'avaient pas encore choisi. Bon, écoute, on verra, mais c'est vrai qu'il faut soit c'est grand sportif, grande personnalité. Ouais, grande personnalité. Il y a déjà eu Mohamed Ali notamment qui l'avait aux États-Unis. Ouais, ça te pose le. Oui, non, mais ça, tu vois, tu fais le. On oublie quoi. Oui, ouais, enfin, après, ça peut être un marathonien comme toi, peut-être qu'il décide. Ça serait fou. Pour mon histoire avec les 3h24. Après, tu pourrais. Ouais, c'est ça. Faut juste espérer que tu te fasses pas une petite cheville juste avant de monter sur le. 3h24, 2024, il y a quand même des histoires qui se sont écrites pour moins que ça. Rip, si tu veux passer la game, on va démarrer la game. Mais mec, il n'y a aucun souci en fait. Game numéro 4. Déjà, comme je vous le disais, c'est vrai que le rythme est soutenu. Pour l'instant, ça alterne entre points un peu durs, tu vois. Un peu dur. Si t'es du coin, ça, forcément hoche, tu vois, ça peut le faire. Ouais, vous êtes chaud, hein, tous. Quand même. En fait, comme c'est des villes, tu pings rapidement, quoi, tu vois, pour le coup. Mais on a tous joué quand même. Oui, c'est vrai. Déjà, en fait. Il y a ça, et c'est vrai que du coup, 2 minutes, c'est pas trop de temps. Mais c'est bien 2 minutes, du coup, parce que sinon, on trouverait vraiment à chaque fois trop proche. C'est ça, on est en ville. Donc ensuite, c'est juste Chartres, par exemple. C'est vrai que si tu sais pas exactement où situer, ça peut être compliqué. Complètement. Ça part, qui va finir sur le podium, qui va gagner. C'est maintenant. On va le décider sur cette game et sur celle d'après. GL. Bonne chance à tous, bien sûr. Collègue de sang, mon sang. Boum, boum, direct, tac. Là, m'en parlait même pas. Tu m'étonnes pour madame à ma gauche, elle doit connaître. Parce qu'en fait, elle est bien la BD, c'est la ville de la BD, je crois qu'il y a un festival là-bas. Voilà, je vous fais quelques minutes en ASMR. La chaleur de votre corps. Je partais sur la chaleur du corps, c'était plus une ambiance genre il fait chaud dehors, la chaleur s'enfuit de vous. Et c'est vrai qu'en commençant à prononcer les mots... commençait à me dire qu'on partait sur un autre délire qui n'était pas spécialement voulu ce soir. C'était pas attendez, je fais quoi? C'est hôtel de ville, en fait, ça. Ouais, c'est big. C'est un hôtel de ville, en fait. Oh, Luna Park. Centre commercial. Oh, un centre commercial. Centre commercial. Oh. Qu'est-ce que je fous, moi, là? C'est quoi? C'est au milieu, quoi. Hein. Quelle idée de ne pas le faire foutre au milieu. Mais il y a trop d'infos quand on zoome. Il y a trop d'infos. Parking Léal, mais nous c'est... Ah voilà, enfin des vraies choses. Hein, voilà. Et là on a Tuk City derrière. Oh, j'ai pas Tuk City là. Pourquoi j'ai pas Tuk City? J'ai BNP derrière moi. Banque de France. Mais c'est pas place de l'hôtel de ville en fait. C'est juste là, mais j'ai pas Tuk City moi. Je trouve ça très moyen de pas avoir Tuk City comme ça. Bon, ça c'est fait en tout cas. 20h, 30 degrés. Ouais, non, quand même. Hein. Non, quand même, il fait chaud. Hein. C'est quoi la map SVP? Point d'exclamation map, si jamais vous voulez vous aussi jouer en vrai. Comme je vous disais, le truc est plutôt très sympa parce que il y a donc l'application Coca-Cola. En gros, là, vous allez jouer donc du coup sur tous les points olympiques. Et si jamais vous avez plus de 3500 points, vous gagnez un code. Le code, vous le mettez sur l'appli. Potentiellement, vous pouvez gagner 2 places pour les JO. En vrai, c'est sympa. Le Tuk City... Quelqu'un s'est écroulé ou... Non, ça va, personne s'est écroulé. Oui, mais c'est juste que c'était Angoulême. Je me suis mis devant la cathédrale et je trouvais pas cette mairie et je l'ai vu à 1 seconde et j'ai cliqué, ça n'a pas validé. Ouais. Je ne sais pas où c'était Angoulême. Deux points. Aïe. Ah, t'avais pas Angoulême. Or qu'une de tes meilleures potes adore la bande dessinée, il va pas régulièrement. Ouf, hein. Mais comme je ne suis pas allé avec elle,
au festival de la BD, du coup je n'ai pas. De quoi, tu veux que je t'emmène? Oh, sympa. Mais d'accord. Peut-être. Ça partage les passions, dis donc, c'est cool. Si tu ça. Veux, je t'emmènerai à Angoulême. Super, faisons ça. Allez, bah écoutez, à Paris, sinon tout le monde a bien trouvé à 1 ou 2 mètres. Ah, moi ensuite, je l'ai piffé Angoulême, hein. J'ai zoomé sur la carte et je me dis, ah bah celle-là. Je savais pas où c'était, je savais pas du tout c'était. Gomard, elle repositionne pas mal de villes comme ça ce soir. Mais comment avec Auch en vrai, hein. Dans mon talent, il y a une grande part de chance. Voilà. Bien sûr. Il faut. Je mise tout dessus. Les grandes personnes ont beaucoup ça, je te le dis. Deuxième point. Oh, direct du street art. Ça va être beau ça. Oh, typique de Brest. Là, ça, mon pote, il y a quand même une info. Il y a quand même une info là. Il y a une info. Ah, je suis désolé. Je suis venu. Je suis venu en finir en fait. Je vais pas vous mentir, je suis venu en finir. Je suis venu en finir avec ces gens là autour de moi. Ensuite, c'est où? Ah, mon papa, il allait là-bas pour le travail. Et du coup. Ah, je ne vais pas avoir la prétention de faire un 5000 là-dessus, je vais juste envoyer comme ça, donc là, petite Guyane française, ici, honnêtement. Il n'y a pas un truc où c'est le territoire le plus grand en France, vous voyez ce que je veux dire? Un truc un peu comme ça, là, ils l'auront tous. Ah, en vrai, Cayenne-Guyane, je pense qu'on est à 3 sur 5 à avoir, tu vois. Ah non, c'est la plus grande frontière, c'est exactement ça. C'est la plus grande frontière commune avec un autre pays qu'à la France, et c'est avec le Brésil, c'est ça? Ah, c'est ça, je vais le rejouer. C'est chez moi. T'es de là-bas, Dividit? Tu vis là-bas, là, à l'heure actuelle, ou tu as grandi là-bas? Je vais leur faire la question, t'es en mode. Tiens d'ailleurs, vous savez avec qui? En bon ringard, là. Comme ça, c'est bien. Et oui, moi je dis Dom-Tom, mais c'est Dromcom maintenant en plus. Ça c'est clair. Plus grand département. Comme par hasard, ton père y allait. Non, mais c'est vrai qu'on dirait que je triche. Hein. Non, hein. Là j'ai juste un runner devant moi avec écrit, bon, quand même, Map 4, Cayenne, Guyane. Il est vrai, mais hormis ça, c'est. Ah, c'était là, bien là. Plus honneur. Ah, là, là. C'est le moment de trop se taper dur, la honte comme tous les Américains qui savent pas placer les pays. Je suis dégoûtée. Aïe, aïe, aïe. Bah, en vrai, pas si simple. Parce mais que super dur. Ah, ouais, Cayenne-Guyane, c'est genre. Je les ai tous faits, j'ai pas fait la Guyane. Moi, je voyais même trop pas la mer. Genre, je savais même pas que c'était au bord de mer. Quoi. J'ai mis, c'était tellement chaud. Tu l'as eu hyper vite, Domi. Ouais, j'ai mais vous avez eu le. Domi, t'as eu le point exact? Non, j'ai mis. Le no move il était chaud parce que du coup ouais. Je pouvais même pas te ouais. Diriger. Être précis, c'était et puis, chaud. Il fallait beaucoup zoomer. Bah, t'avais pour que Cayenne si tu savais pas où c'était. Ouais, moi j'ai commencé à chercher dans la boîte. Ça a tilté, je me suis dit. Moi je les ai tous faits. Est-ce que vous sauriez la plus grande frontière qu'à la France? Bah, ce serait pas celle-ci par hasard, la Guyane avec le Brésil. C'est avec le Brésil. Parce que c'est info là. Parce que c'est juste à côté du Brésil. Mais non, mais comme quoi, fou MV, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser à accusation de triche et tout. Mon papa a travaillé là-bas, donc c'est pour ça que j'ai pu faire le lien. C'est lui qui a mis les points. Bah, c'est vraiment. Toi, t'as jamais été là-bas du coup? Ah non, jamais. Mais j'avais ce truc, quoi, Cayenne-Guyane. Mais en tout cas, vous aussi, il y a Ultia juste qui a pas réussi dans le temps. À une époque. Du coup, moi, chaque, il y a un bagne en Guyane à une époque qui était à Cayenne, le bagne de Cayenne, c'est comme ça que je l'ai su. Mais sinon, moi, mon ex avait une Porsche Cayenne. c'est pour ça que j'ai la ref. Il est trop chaud. Ça repart. Ah ouais, direct. On peut pas parler. Non, ça débriefe pas. Ça débriefe okay, pas. On débriefe. Caviar et truffe. Ouah, ça tabasse. Ça, c'est pas des Strasbourg les. Non, Strasbourg, vous avez des maisons. Vous avez des maisons dans le style, là. C'est pas Metz, un truc comme ça? Attends, je sais pas trop. Vous avez pas de cathédrale à Metz, si? Jean... Ah, mais attends, on peut pas bouger, là? Si, on peut bouger. 03, bah si, 03, c'est Est. Ah, mais du coup, 03, c'est là. Donc, je pense que Metz, vous avez une cathédrale. Attendez, parce que je vois le chat s'agiter. Parce que pour une fois que je vais gagner les gîtes... En vrai, moi je pense que. En fait, j'aurais bien dit Strasbourg. Sinon, Strasbourg, vous avez une bête de cathédrale, non, aussi. Mais Strasbourg, je me dirais que. Pff,
après vous avez peut-être pas ça partout, mais les maisons typiquement alsaciennes. Reims. C'est vrai que Reims, c'est quand même, quand on parle de cathédrale, c'est quand même assez big. Oh, le Reims, il me sauve. Oh, le Reims ici. Mais c'est vrai qu'à côté 0, enfin, numéro de téléphone 03, c'est vrai que. Ah, vous avez une basilique. C'est quoi la diff entre une cathédrale et une basilique? Il y en a dans le chat qui ont la diff. Non, mais en vrai, c'est quoi? Basilique, j'avais l'impression que c'était genre un peu le truc ultime, quoi, tu vois. La basilique, là, au Vatican et tout. Attends, parce que du coup, je suis où? Là, je suis de face. Donc, si je suis de face, je suis le parvis, quoi. Place du parvis et je suis... Et là, c'est bon, là. La cathédrale, ça donne plus de piété. Les Matrix et Crusader King. Non, mais en vrai, vous savez, cathédrale pour les cathédrales, c'est le pape qui donne ce nom. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, Goma? T'es de l'autre côté. C'est-à-dire que j'étais pas sûre de la cathédrale. Donc du coup, je voulais une autre info. Et au dernier moment, j'ai entendu Reims. J'allais pas du tout mettre Reims. Et quand j'ai cliqué sur Reims, le truc était fini. Attends, parce que je te vois plus dedans. T'es encore dans la game? Aïe. Ouais, ouais. Mais j'ai pas mis de point du coup. Ah, ok, ça. Ouais, ça parce que j'ai voulu vraiment mettre mon point au moment. Il faut toujours mettre un point au pif en France. Ouais. De toute façon, j'aurais mis un mauvais truc. J'ai vu un Reims zoomé au fond. Je partais sur genre Metz. Je sais pas pourquoi. Que c'est vrai que. Ouais, bah non, était allé bah, en fait, avec. Déjà, s'il y a marqué Champagne, s'il y a du Champagne, c'est forcément en Champagne-Ardenne. Moi, j'ai juste vu, ouais. Donc du coup, ça peut pas être à Metz. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est pas. J'ai pas vu Champagne. Moi, j'ai vu le parvis, j'ai vu la carte. Au spot, s'il y avait marqué Champagne. La boutique, il y avait du champagne. Donc s'il y a du champagne, c'est que c'est forcément en champagne. Et après, c'est la cathédrale de Reims, je la connais, mais je suis née à Reims. Voilà. Ah ouais? Oui, non, mais elle était gifset du coup là. Non, mais ah ouais, c'est truqué. C'est Et le papa qui a travaillé aussi. Oh, il y avait quand même et un peu d'Angoulême. Il y a beaucoup de champagne Ardennes du coup. C'est vrai. Non, mais bien joué. 5000 Il n'y avait pas la ville, mais ouais, juste champagne. Et puis bon, énorme basique. J'ai piffé Reims direct et c'était bon, mais ouais. Bah écoutez, Gomard. Écoutez, 0 point. Voilà. Aïe. 0 point. Je suis dégoûtée. Vraiment, j'ai mis au pile poil au moment où ça fait. Boum. C'est coup la dur. Fin. Coup dur, effectivement. Allez, après, franchement, regarde, t'es pas beaucoup en dessous de moi. J'ai eu 0 aussi points. Tout à l'heure. Il y a 15 points d'écart. Dans ce round, ça se joue. Ça repart, les amis. Allez, bonne chance. Est-ce qu'on a une cathédrale? C'est de la cathédrale. Il y a de la cathé encore. Et vous m'avez pas bien dit, du coup, ce qui fait que c'est. Oh bah là c'est. Ah moi je voulais des petits villages, moi je voulais. Parce qu'en fait là sur quoi on joue, il y a 65 points en total qu'ils ont fait, si vous voulez, donc du coup t'as. Mais attends, parce que. Oh le domino. Ouais, quasiment moi en fait. Vous savez, c'est comme la Domingo Speed. Et ouais, bon, c'est où ça? Moi je vois ça bien là, la bataille. Y a pas une bataille là-bas un peu? Tu sais, je vois bien un peu genre Verdun, mais c'est pas Verdun. C'est Vernon. C'est léger quand même. 27. Ah, sauf que le 27, c'est là-bas. Là, il y a le 28 et là, il y a le 27. Ah, c'est là. Oh, je suis injouable. Ah, je suis venu pour détruire. Clairement, honnêtement, voilà. Je suis venu pour juste me créer un palmarès. Je suis venu dans cet objectif. Brasserie, le domino. Bam, bam. Voilà. Là, on est venu abattre. 27, mais pour tout vous dire, parce que en fait 27 c'est juste au-dessus et le 28 c'est de Rechartres et tout. Moi j'ai mes grands-parents, ils ont en fait mes grands-parents ils avaient une maison avant là où ça fait 50 ans qu'ils l'ont. Malheureusement mes grands-parents ils sont partis il y a quelques années et en fait ils l'ont donné donc du coup à ma maman et ma maman tout va bien. Mais pour l'anecdote, ce matin même j'étais chez le notaire puisque à ma sœur et moi, donc, elle nous l'a légué en prévision de, on ne sait jamais ce qui peut arriver, etc. Une maison donc, de famille, donc à Chaudon, exactement là où j'avais passé le permis. Et du coup, qu'on a avec ma sœur, et qui est un peu la maison familiale. Et c'est pour ça que je connais pas mal ce coin. C'est pour ça que j'avais passé le permis à Dreux. Dreux, qui est une zone où, en gros, en 2 semaines, tu as ton permis et tous les permis accélérés. Voilà. Non, mon père n'a pas travaillé à Vernon. Non, mais là, je connaissais pas, en vrai. Juste, les spots sont assez faciles à trouver. Zéro. Ah non.
Je ne savais pas où c'était. Aucune idée. Et j'ai vu des maisons style alsacienne. Je me suis dit, je vais regarder vers l'est. Quoi. Vernon, j'ai fait pareil au début. Et puis après, j'ai trouvé un autre bâtiment avec de la brique rouge. J'ai fait, peut-être que ce n'est pas là, finalement. Et au final, ouais. Et il y avait un petit bâtard d'artisan, là. Ouais. Avec son véhicule utilitaire. Ouais. Il met son 06. Il met Vernon. Pas foutu de mettre un code postal sur sa putain d'estafette. Tu laissais tous les codes postaux? En fait, je les avais tous, mais là, c'est rouillé. C'est un an que j'ai pas réalisé. C'est pas tout à fait. Parce qu'il y avait en plus sur le truc de bus, sur la cathédrale. Le 27. Ça m'aurait vachement aidé, je pense. Genre là, ici, je peux. Oh, non, et t'es encore chiant, en train de nous faire une slumdog, en fait. Sur le 27 heure. Ok. C'est le coach. Hein, le 27 heure? Je t'entendais à la fin, tu disais que t'avais un passif avec cette ville aussi. Ouais, parce que je suis de. On est d'accord. Ça a été personnel. C'était une longue histoire que je racontais avec le chat. On sait qui va la porter, la flamme. Mes grands-parents sont du 28, juste en dessous du 27. Donc c'est vendu. C'est lui qui a créé les maps, en fait. Il va porter la magie. Et apporter la magie et la flamme qui va avec. Écoutez, excusez-moi si vous n'êtes pas au niveau, j'y suis pour rien. Ça va. En tout cas, j'espère que ça va. Domingo, on a bien compris que c'était truqué et que évidemment tout était tourné autour de toi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai bien compris que tu allais porter la flamme, j'espère au moins que ça sera Vichy. Voilà. Un petit passage de 100 mètres. Que ce soit là. Oh là, plaisir. Alors là. Ah bah là voilà, là il y a même pas de. Alors en fait, moi j'ai une histoire à Verdun parce que mon arrière. Non, mais là les amis, écoutez que vous dire, ça doit être un peu éloigné, non? Si c'est un mémorial en vrai. Putain, j'y suis jamais allé. 14-18, j'ai fait un truc. Je crois que j'avais fait un truc petit sur comment s'appelle la bataille de la Somme. C'est une grosse bataille aussi, non? La bataille de la Somme. Mais c'est pas là, enfin, ça doit être un peu éloigné en mode. Ah voilà. Ah, le Rive qui est concrètement actionnaire, propriétaire de ces lieux. C'est. C'est vrai que là on a des points qui sont assez faciles. Hein. Là, dans l'ensemble. C'est pour tout le monde. C'est la plus meurtrière, la Somme, de la Première Guerre mondiale? C'est chez moi la bataille de la Somme. Je crois que j'avais fait le musée au collège. Mais du coup, c'est vrai que 14-18, j'ai pas non plus une connaissance qui est quand même assez folle. Il y a plus de monde à la bataille de la Somme que Verdun, donc très grosse bataille. Ok, d'accord. Et bataille de la Somme, du coup, c'était où? Question dans la Somme, j'imagine. Mais la Somme, c'est où? C'est là, non? Je sais pas si vous voyez mon écran encore, mais très chaud. Vous le voyez, ouais. Très chaud mon niveau. Là, je suis pas mal. Après, bon, là, si tu connais Verdun, tu sais le mettre là, quoi. Tu vois, donc t'as aussi une maison. Non, c'est bon. J'arrête. J'ai compris. Fort de Douaumont, excellent quand il lâche la plaque par terre pour simuler un bruit d'obus. Ça fait au moins 15 ans. J'ai pas la ref du coup. La Baie Somme, ça te dit quelque chose? C'est Amiens. Ah oui, la Baie Somme, vous avez pas une course dans la Baie Somme justement? Je crois qu'il y a une course, mais ce que je comprends pas, c'est qu'à Amiens, pour moi, il n'y a pas d'eau. Quoi. Du coup, la Baie Somme, c'est quoi? Mais je crois qu'il y a une course où les gens sont dans le sable et tout, de fou là. Un truc comme ça qui a l'air vénère. C'est que là à peu près. Hein. Oh là là, c'est bon. Ok. T'as réussi à lever, c'est bon? En fait, j'étais à Verdun et une seconde avant la fin, je me suis dit, mais on n'est pas en ville quand même. Et j'ai vu au nord-est ce mémorial, j'ai cliqué dessus la dernière seconde, donc ça va. Oh là là, mémorial. Tout le monde a eu Verdun, t'avais aussi la localisation Gomard? Je l'avais parce que j'ai joué à Jeugesseur il y a peu de temps, je suis tombé sur Verdun et je savais pas où c'était de base. Ouais, moi aussi, je me suis trop de mémoire. En vrai, Jeugesseur, c'est vrai, parce que nous on joue alors plus ou moins, Gomard peut-être un petit peu moins, nous on s'était quand même pas mal tué, mais c'est vrai que là-dessus. Je trouve que ça met trop bien parce que ça te donne des infos, c'est un peu en t'amusant, etc. Ouais, vraiment le cliché jouer en s'amusant, enfin apprendre en s'amusant, pardon. Mais c'est trop bien de savoir après où sont les différents. C'est un spot quand même que tu connais de nom, c'est mais t'es en mode, mais où est-ce que c'est moi, exactement? Moi, je suis allée avec mon père. Bah oui, dans Champagne-Ardenne, tu fais quoi le week-end? Tu vas t'amènes tes enfants à Verdun, mais en fait. Moi, je pensais que t'étais ni pure niçoise, en fait. Je découvre une nouvelle Ultia ce soir. Non, c'est vrai. Je viens aussi de Champagne-Ardenne. J'ai un peu les deux, quoi. Ok. Et blague à part, je pense que c'est le mémorial de Verdun, je pense que c'est le plus beau musée que j'ai jamais vu, je pense. C'est beau, hein. Tu es allé j'y suis allé il y a pas très 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 longtemps et du coup franchement ils l'ont refait en 2016 je crois et il est mais incroyable. Vraiment il est vraiment génial. Si jamais vous voulez petit bruit. Ouais. Hop là, Nagui, bonsoir. Je perds le podium.
Ça a dit quoi? Oh là, j'ai pas ça. J'espère que tout le monde malgré tout. Normalement, c'est bon. Sur le podium, on avait Gomard à 19 000, Ultia à 20 000. Ça, c'est sur les scores, on va dire, sur la Game 4, sur la Game au global. Deuxième, Rivenzy, 90 000. MV qui arrive sur le podium, 84 680. Ouais, on s'accroche. Ultia, 84 000. Gomard, 75 000. Tout est possible. T'es à 9 000 points. Va falloir que ça choque un peu. Moi, c'est challenge personnel. Vraiment. Ça, c'est très beau. Riff pourrait, si jamais il y a un loupé aussi. Si les points, bah, c'est vrai que c'est le hasard aussi. Donc, si jamais les points sont. Ça dépend pour qui, peu... hein, le hasard, bien sûr. Il se bat pour le podium difficilement. Ouais, Verdun, il a failli pas l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y était pourtant, lui. C'est bon, tranquille. Mais on parle GeoGuessr. Oui. Forcément, on le sait, il y a des gens qui sont très très chauds. On pense à Antoine Daniel, etc. Il y a des gens qui font beaucoup de contenu autour de GeoGuessr. Et quand on vous dit des gens chauds, là, c'est un tout autre niveau. Comme on a organisé cette soirée, bah, j'avais envie qu'on puisse s'amuser entre nous, mais aussi vous montrer quand même des gens qui, eux, se sont vraiment butés en géographie. Et on va recevoir tout de suite Gabriel, Gab, qui est avec nous, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu déjà sur tiens, je te passe le casque. Bonjour Gabriel. Salut. Salut Gabriel. Ah, salutations. Salut à tous. Donc là, tu viens de doucher nos impressions d'être des joueurs potables à GeoGuessr, c'est ça? Alors, mon cher Gab, déjà, bonjour, ça va, tu vas bien? Nickel, et vous? Bah écoute, très 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 bien. Va, on était merci. En petit GeoGuessr, GeoGuessr plaisir. Juste, ouais, je te présentais, si jamais. Donc toi, t'es créateur de contenu autour de GeoGuessr. Tu streams, t'es sur TikTok beaucoup? Ouais, TikTok, YouTube principalement, et je stream un peu quand j'ai le temps. Et t'avais participé, non, Antoine? Ouais, ouais, j'ai participé. Je suis même allé jusqu'en demi-finale avec mon équipe. Ah oui. Non mais vous allez voir la GeoGuessr World Cup. C'est quelqu'un. Là du coup, on a préparé donc une site. Donc là, on n'est plus qu'en France, on est dans le monde. On va jouer en 0,25 secondes, donc un peu plus d'une frame quoi. Ça va vraiment être très très rapide. Tu vas devoir retrouver le point. T'as déjà fait du 5000 points, etc. Bon, compliqué de 0,25, c'est un peu chaud pour ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais déjà rien qu'en regardant juste une photo très rapidement, retrouver la zone, le pays, on va voir. Courage, Gab, parce que c'est vrai que c'est qui te double ce genre de moment. C'est qui te double, il faut se le dire. Ah ouais, parce que. C'est dans le bloc-notes Ouais, c'est dans le bloc-notes. Normalement, t'as les différentes seeds. T'as pu remettre le truc pour les 0,25 là? Ouais, normalement, c'est bon. Alors attendez, un flic, il est juste en Gab. Vous pourrez voir aussi. Il enlève le logiciel de triche de Domingo. De quoi? Non, rien. C'est Coca-Cola. Mais quelle vermine, le gars, c'est terrible. Bah écoute, Gab, quand tu veux. Non, mais attends, parce qu'il faut vraiment pas cligner des yeux, quoi. Non. Alors, on est parti. Attends, je vais F5 pour savoir si tout est bon. On est parti. On joue avec toi. Sartre. Hein? C'est une blague? C'est 0,25 secondes. Je pense que ça faisait Espagne. Il n'y avait pas forcément les paysages typiques plutôt du sud. C'est vrai qu'on était sur une végétation plutôt hispanique. Hein. Donc, j'ai envie de taper plutôt centre, autour de Madrid. Je pense, ouais, on est dans ces alentours, dans le centre de l'Espagne. Ouais, c'est pareil. On valide, hein. Bah, on y va. 95 km. Ah, parce que pas mal. C'est une blague. Non, mais attends, c'est impressionnant. Mais parce que ceux qui ne sont pas habitués, on a eu l'impression que le point était en Antarctique. Moi, je crois que ça avait bugué. Peut-être que le point était de l'autre côté de la map. Non, mais attendez, il a vu une demi-image, il trouve 95 km. C'est quand même. Là, c'est une dinguerie, quand même, non? Ou c'est habituel, là? Non, c'est correct. C'est correct. Si vous aimez ça, ouais, regardez toutes ces vidéos de ce genre. Vas-y, tu peux continuer. On peut le laisser nous dire un peu ce qu'il en pense, etc. Comme ça, son process. J'ai même pas vu l'image. Là, j'ai reconnu le rocher de Gibraltar, littéralement. Bien vu. Le rocher de Gibraltar. Il était sur notre gauche. Donc, on est littéralement sur cette route. J'ai pas eu le temps vraiment de saisir un peu toutes les informations sur quelle orientation est la route. Bah, dis donc. Je pense que là, on est en nord-nord-ouest. On doit être sur une route qui est un peu penchée comme ça, voire un peu plus dans le sud. Là, on voit qu'il y a plusieurs virages de ce type. Il peut gratter le 5000 là-dessus. Hein. Celui-là, il est pas mal. On va voir. J'espère que c'est celui-là. 251 mètres. Oh là là, oh là, 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 là. C'était celui d'en dessous. RIP. Oh, c'est dommage. Monstrueux. Pourquoi ça fait le truc où on a... C'est les seeds ont été générés pour être faisables. En gros, que... Je disais pourquoi il y a un autre joueur dans la game. En gros, les seeds ont été générés pour qu'elles soient faisables. Et en gros, pour pas cacher, il s'est mis en Antarctique pour pas qu'en gros son guest s'affiche à l'écran. Celui qui a généré... D'accord, ça marche. Ok, je comprenais pas. Très bien. 4999 points. 250 mètres. Après, tu dis que c'est faisable, mais il faut quand même être très chaud. Les consignes, c'était pays reconnaissables à peu près. Okay. Ou groupe de pays reconnaissables. Okay. Ah oui, d'accord. On t'a pas trop tendu de pièges, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas du 100% à chaque fois. Il peut avoir des pièges. Très bien.
Bravo. Tu peux envoyer. Du sapin. Oh, dur ça. Attends, ça c'était, je pense, Russie-Ukraine. Ça faisait des routes, très des grandes routes où il y a des forêts des deux côtés. Peut-être plus Ukraine. J'espère que c'est pas Russie. J'aurais dit Canada, moi, de mon côté. Ça pourrait, après, ça pourrait être à nouveau Verdun. Hein, je sais. Là, j'avoue, je sais pas moi, trop. Moi, j'ai reconnu un cyprès qui s'apprête pas mal à la région Bélarusse, mais. Après, c'est vraiment. C'est que ce n'est que mon avis. Pour ouais. Après, Ukraine, le truc, c'est que tout le pays se ressemble, à part là où il y a un peu de montagne. Mm. Donc, en général, quand c'est Ukraine, on met le centre et on prie. 330 km, on était où ? C'était bien l'Ukraine. Donc ce n'était pas le Canada. Quel ouais, non, déjà, tu reconnais. Là, c'est quoi qui te fait dire justement Russie-Ukraine ? C'est parce que nous, on voit des grands arbres, on se dit ça peut être Suède, ça peut être Canada. Canada, enfin, ah oui, non, mais moi, jamais je pense à l'Ukraine. Là, c'est plutôt le feeling de la route. En gros, le paysage, c'est un peu un feeling dû à la qualité de la caméra, à la végétation, à l'état de la route. Et souvent, on peut avoir d'autres informations comme des poteaux électriques, des panneaux qui peuvent nous guider vers des pays. Électrique. Mais là, c'était plutôt les paysages. Oh là là, mais quel monstre. Bah, vas-y, on te laisse faire. C'est quoi ton nom ? On peut te retrouver où ? Ouais, sur TikTok, Gabriel Géo. Ok. Sur YouTube également, Gabriel Géo. Voilà, tout simplement. Ok. On est parti pour le prochain. Oh là, ça c'est petit village. J'ai cru voir un drapeau, mais je suis pas sûr. J'ai rien vu. Non, Macédoine, il y a le drapeau avec les bandes jaunes. J'ai cru reconnaître ça. Après, pour le paysage, par contre, dans le pays, je ne sais pas trop. Ça était un peu montagneux. Ça faisait route de colline, donc c'est plutôt dans ce coin-là. Là. Macédoine, mais urbain également. La connaissance, la topographie des différents pays et du monde est quand même. J'ai cru voir le drapeau. On va se mettre là. 50 km. Oui. Donc c'est bien Macédoine. Ouais. Oh, bah c'était bien le drapeau, la Macédoine. On n'a pas pu voir le côté lac ah oui, mer qui aurait donné l'info direct là. Ouais. Si t'avais vu un point d'eau en Macédoine. Ouais, là, je crois pas qu'on voyait l'eau. Je crois qu'on peut revenir dessus. 0,25. Avec. C'était. Et tu vois où ton drapeau ? Oh, il le voit là-haut ! Oh, la vache. C'est des bandes jaunes. Ah ouais, l'image est... Là, en le regardant plus de loin, j'aurais plus hésité avec Monténégro, heureusement que j'ai eu le bon feeling de base. Oh là là, mais vas-y, mais repars, mais je pense qu'on va se refaire une map après, parce que c'est quand même impressionnant. Oh, alors. Ça. Alors là, moi, j'aurais dit l'Afrique, c'est un pays chiant, je pense qu'on est en Indonésie. Ok. Ah, moi, j'aurais dit le truc, c'est que l'Indonésie, ça va de là à là, donc on peut faire je sais pas combien de centaines de kilomètres en Indonésie. Là, j'ai pas eu de feeling spécial. Peut-être qu'ils t'ont mis près d'une grosse ville, du coup, non ? Je sais pas. En général, en Indonésie, on se met sur cette île-là. Mais le truc, c'est que ça peut être le nord de Sumatra. Pourquoi Indonésie plus que Sri Lanka ou Thaïlande là ? Parce que là, c'est le feeling un peu de la route de terre gravier, un peu blanche, avec les arbres. C'est vraiment les routes paumées qu'on retrouve en Indonésie-Malaisie. Ok. Mais ça peut aussi être Malaisie en vrai, mais je... Je vais partir sur. C'est un peu plus méta cette île-là, quoi. L'île de Jakarta. Ouais, je suis même pas sûr qu'on soit à Java, mais je pense qu'on est en Indonésie. 1400 km. Oh. Et on était bien en Indonésie. Mais c'est trop grand. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a tellement d'îles et tout. Voilà. Bah non, mais attends. Il y a des tips pour ces îles-là, mais pour le coup, en 0,25, là, c'est un peu chaud de les distinguer. Attends, déjà, tu m'étonnes. Déjà, t'as le bon pays. Moi, bon, après, t'es pas dedans, mais ça montre que c'est réel. Déjà, il y a le bon pays. Enfin, c'est vraiment. Si vous voulez, montre vue résultat, tu fais combien quand même là sur en 0,25 ? 2800 parce que c'est derrière est loupé. Je vous propose, on peut s'en refaire un petit parce que c'est quand même un régal quoi. Par contre, c'est très dangereux parce que si je vais sur ton TikTok, je vais passer très 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 longtemps à regarder parce que il y a beaucoup de trucs en plus. Hein, parce que c'est vrai que je regardais un peu tout ce que tu faisais, etc. C'est que t'as le 0,25, t'as le 1 seconde, ensuite t'as le no moving machin, etc. Et il continue à y avoir des compétitions. Ouais, il y a pas mal de. Enfin, il y a eu pour l'instant qu'une seule LAN, c'est la compétition organisée par Antoine Daniel où tu étais présent. Et là, il y a la GeoGuessr World Cup qui arrive en solo. Donc cette fois-ci, qui est organisée par l'équipe de GeoGuessr en octobre, qui aura lieu en Suède. Ok. Et toi, t'es comment, genre sur le ladder ? Parce qu'il y a des GeoWizards, des mecs comme ça, justement, qui sont très connus. Ouais, sur le ladder, je joue pas trop, mais quand je suis monté le plus haut, c'était dans le top 20-30 monde. Ok. Ah ouais, t'es en Suède. Tu viens en solo se détruire. Vas-y, on repart pour 5. Et ensuite, on continuera. On aura du vrai niveau, enfin, en France, pour notre dernière map à nous. Bam, typique Brésil en Europe. C'est littéralement l'île de Saba, l'île de Bornéo, mais côté malaisien. Allez. Étant donné que c'est littéralement la caméra
faites la caméra quand elle est. Il y a plusieurs générations de caméras dues à l'année où est passée la Google Car. Mmh. Et là, on voit que c'est une caméra un peu plus ancienne, donc génération 3. Donc, c'est plutôt la partie. La méta-caméra. Il a dit la génération 3, j'ai envie de canner. Ils embarquaient des objets en 75 à l'époque. Donc, le truc, c'est qu'elle est assez grande, on peut être au nord comme au sud. Et là, tu vois, par exemple, pour savoir nord-sud, etc., c'est quoi ces feelings? T'as des petits. Genre vraiment, tu connais. Alors, pas à chaque point, j'imagine, mais. Non, mais je sais que plus au nord, là, il y a le mont Kinabalu, qui est une très grosse montagne. Donc, quand on va être dans ce côté-là, on va plus voir des montagnes. Ici, c'est plutôt plat, et au sud aussi. Okay. Donc, si c'est montagneux, on se met au nord, et sinon, on tape un peu le centre et. Et on prie. En l'occurrence, 570 km. Ok, bah on était dans cette partie. Ah ouais, dans l'extrême opposé, ouais, mais en tout cas, t'avais bien scope. Il n'y avait pas le côté montagneux. Mais faut vérifier, les gars, je crois que c'est pas un humain. Ouais, non, c'est impressionnant. C'est pour ça que je tenais à vous le ramener. Vas-y, prochain point, c'est parti, ouvrez bien les yeux. Chez nous. Je pense ça que c'était un peu peut-être la Belgique. Tu t'as l'est, hein? Ah bah, moi, je dis de la merde. Tu l'as dit en erreur, là. Oui, sûrement, pardon, je me tais. Belgique, c'était plutôt plat, donc on va dire la région flamande. Plutôt dans le sud, là c'est plutôt des vallons. Donc je partirais plutôt sur la région flamande, mais le truc c'est que c'est tout le nord de la Belgique. Ça ressemble un peu à un peu le même type. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y avait des champs à droite à gauche. En général, si c'est agricole, c'est plutôt la Flandre. Mais le truc c'est que ça peut être plutôt près des Pays-Bas comme vers Bruges. Donc on va mettre un peu au centre, en dessous d'Anvers, entre Anvers et Bruxelles. En fonction, un peu au-dessus de Bruxelles. Ouais, c'est ça. Ça dit quoi? Ça nous dit 85 km, c'était exactement ça. Du côté de Bruges. Je suis choqué. Il y a quelqu'un dans mon chat qui dit en 0,25 secondes, j'arriverai même pas à reconnaître le devant de ma maison. Ah ouais, non, c'est ouf, mais c'est trop intéressant de savoir aussi le process de comment tu réfléchis et tout. Pareil, on ouvre les yeux, nouveau point. Tu m'ébresses, je pense que je suis même pas capable de te dire. C'était Amérique du Sud, ouais. Mais il y avait un peu ce feeling un peu sec. Pérou, Sud-Équateur, je pense pas. Là, en général, en Amérique du Sud, il y a la voiture qui nous a street view, on voit un peu la couleur de la voiture, qui peut nous aider. Là, j'ai pas pu vraiment distinguer. J'hésite entre Pérou et Équateur, j'espère que je vais faire le bon choix. Je vais peut-être partir sur l'Équateur, parce que ça faisait, il y avait un peu des véhicules type Équateur. Ok, c'est quoi un véhicule type Équateur? C'est plutôt, en Équateur, il y a pas mal de grands véhicules, comme aux États-Unis, au Mexique, des véhicules, des gros Ford et tout, okay. Ouais, j'ai eu l'impression d'en avoir un. Et il y en a pas mal en Équateur. Il semblait avoir vu un pick-up aussi, mais après... Ouais. Moi je dis ça. Ouais. Si je peux t'aider, c'est ce que j'ai pensé qu'on est en Équateur. Le truc, c'est d'habitude, c'est plutôt sud quand c'est sec. On est en erreur. Parce que t'as le truc des bâtiments avec les peintures, les messages et les numéros. Vers Guayaquil. Ouais, vers Guayaquil. Enfin, ça peut être toute la côte ou même au sud. Je vais mettre Guayaquil, c'est pas mal. Guayaquil, 147 km. Oh, ce côté sec était là. Ouais, tu nous as montré ça juste avant. C'était un peu au nord. Non, mais enfin, rendez-vous compte. Hein, déjà, dans le monde, quand t'arrives à trouver le bon pays, même en deux minutes, etc., t'es content. Tu fais un score comme ça. T'es en mode oh, pas mal et tout, quoi. Là, c'est du 0,25. Donc, non, c'est. Attends, remonte peut-être la photo pour voir, par exemple. Parce que c'est vrai que là ce que tu vois. Du coup, on se tourne en effet. T'as le gros pick-up, t'as à gauche, t'as tout de suite. T'as besoin là, de lire le côté espagnol. C'est plutôt la vibe un peu du paysage. C'est les maisons, les murs, les trottoirs. C'est vraiment un feeling Amérique du Sud, en général. Ok. Ouais, que je joue un peu à GeoGuessr, je peux comprendre ce truc-là un peu avec beaucoup d'écriture au mur en plus. Ouais. Moi j'aurais mis Pérou au pif, tu vois. Mais... Puis c'est des endroits où tu tombes une fois, t'as un peu de mal, mais quand c'est la 50e fois que tu tombes dessus, dans la région. Il y a le travail et tout, forcément. Vas-y, bah écoute, continue, il nous reste là, c'est tellement satisfaisant à regarder. Ah. Il a été très gentil, celui qui a généré l'acide. J'ai littéralement reconnu Saint-Marin. Donc Saint-Marin, il y a une qualité de caméra pareil qui est un peu qui fait penser à de la vieille caméra avec un feeling Italie où c'est un peu vallonné, donc j'ai envie de mettre dans le sud même de Saint-Marin. Ça fait penser à toutes les routes un peu de campagne qu'on peut voir. Mais pourquoi Saint-Marin plutôt qu'ailleurs? Ouais, parce qu'on dirait que Saint-Marin c'est chez toi. C'est pareil, c'est un peu un feeling à avoir. J'ai l'impression qu'il y a les poteaux italiens au bord de la route, donc ils sont blancs, noirs avec une partie de rouge. Et c'est vraiment une vibe en sorte. Après, on le rappelle, le mec était très gentil avec toi pour le coup sur ce coup, donc c'est normal. Oui, mais c'est la même vibe dans toute l'Italie, non ? Ouais. Donc, je vais tenter les routes du sud. J'espère que c'est bien dans le sud. 2,3 km. Saint-Marin, la maison. C'était bien les routes du sud. Oh là là, c'est ouf quand même. Le dernier. Gab, on va pas te mentir, c'est un 5000 attendu. Hein. je sais pas si j'aurai la force de jouer la 5e. Ah là, c'est...
Là, c'est un tout pile. Oh, c'est un tout pile en plus, parfaitement. Non, ça, pour c'est toi, la Corse, ça, c'est la Corse. Pour moi, c'est la Corse, celui-là. Pour moi, c'est la Croatie. Okay, on voyait la mer. La mer, elle est dans cette direction, donc plutôt vers le nord. On est sûrement sur une île, j'ai envie de dire. Une île. S'il y a la mer au nord, ça peut être sur ces îles-là. Jvar. Dans ces îles-là. Dans ces îles-là. Dans ces îles-là. Jvar à Kek, des bons endroits d'île. Non, est-ce que. Est-ce qu'on peut rafficher l'image 0,2 secondes, s'il vous plaît? Non. Mais je ne sais pas si la route était penchée, mais ça me fait vraiment penser aux îles. Par là, ce genre de route typiquement des. Ah, c'est vrai routes. Que ça a l'air d'à peu près coller, ouais. Ouais, il y a toujours des routes qui font un peu nord-ouest, sud-est, ouais. Quoi. Comment tu sais que c'était l'île et pas juste le bord de mer là? Parce qu'il y avait la mer au nord et c'est la Croatie, c'est en gros ce qu'on appelle un peu la vibe méditerranéenne. C'est-à-dire que pour les pays de Méditerranée comme Grèce, Italie et Croatie, il y a un peu cette vibe de. Tu sens que c'est près de la mer Méditerranée, c'est une île un peu jolie. Voilà, qui littéralement les gens y vont en vacances. 74 km, mais en tout cas, c'était ça, c'était l'île juste au-dessus. Ok, on est à peu près sur 7 ans. C'est vrai qu'après, la difficulté, ouais, c'est entre les différentes routes ou quoi. 22 732, en 0,25 secondes. Bravo, on va applaudir honnêtement. Félicitations. Merci. Gab. Donc nous, on va devoir jouer après ça, là. Exactement. J'ai été mouché. Gab, c'est Gab Géo ? Gabriel Géo. Gabriel Géo, pardon, Géo. Sur TikTok, sur YouTube. Tu streams sur TikTok ? Ouais, actuellement, j'ai pas la fibre parce que je viens de déménager. Okay. Donc, je suis pour l'instant en période de transition où je stream pas trop, mais je suis pas mal actif sur TikTok et YouTube. Pour ceux qui veulent progresser sur GeoGuessr, okay. Des vidéos guides, astuces, explications. Du guide aussi, juste du côté impressionnant, si jamais. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Grosse démo, honnêtement. Grand champion, ça régale de pouvoir avoir des explications. Merci Gab, je te souhaite une très bonne soirée. Ciao, salut. Merci beaucoup. Quel crack. Impressionnant, ce garçon lance son entreprise de détective privé, bien sûr. Une photo qui voit 0,25 secondes. Elle vous a trompé à Dijon, dans le centre-ville, je le connais très bien. Juste à côté de la cathédrale, vous ferez attention. On va pouvoir se retrouver entre bon nas désormais, les voilà. Amis. Non, mais... Ah, voilà. Oh, le petit mou de Chartres qui va arriver que là. Jouer là, après ça, il nous reste ça une va game. Calmer. Il nous reste une game qui peut tout décider. Tu peux faire une place sur le podium, Gomard. Ah, il est trop fort. Non, mais ouais, c'était pas le suivre. C'est pour ça que c'était génial aussi. Antoine Daniel qui avait fait la World Cup, etc. Donc, ouais. Il l'avait fait en team. Là, je savais pas qu'il y avait, le truc solo. Mais n'hésitez pas à le suivre. C'est vrai que c'est beaucoup de trucs comme ça, toujours hyper impressionnant et tout. C'est fluide en gros, et t'es en mode comment juste tu sais tout ça. Le classement qui est affiché, il y a une troisième place, hein. Il y a une vraie bataille pour le podium. Rivenzi ne doit pas craquer. Ouais, je veux pas craquer, moi. Il faut tenir. Cinquième game. Bon courage tout le monde. Merci à vous, bon courage. J'ai totalement sorti là, il n'y a plus rien dans le. Là, ça va être boum. Attendez, là, je me suis dit merde, on était encore. Là, j'ai envie de vous dire que en fait, c'est hyper. C'est hyper vallonné, c'est hyper montagneux. J'ai envie de vous dire qu'on est en fait à l'île de la Réunion, moi, comme ça. Mais après, je sais pas du coup. Mais les toits comme ça, blancs de cette manière. La Redoute. Nous aménageons Saint-Denis, hein. Saint-Denis, pour moi, on y est direct. Hein. Saint-Denis, c'est vrai qu'on a c'est le Piton de la Fournaise, non, à l'île de la Réunion, je dis de la merde. Non, Piton de la Fournaise, c'est à Fort-de-France. Il y a un volcan, non, au milieu, là. Piton des Neiges. Piton de la Fournaise, du coup, c'est... Attends. Oh, merde! On a une coupure Internet, là, si jamais. Quel dommage! Elle va pas pouvoir avoir le podium! C'est moche! Oh là! C'est la pas grave. La coupure... Mais non, mais je pense que c'est... Faut la refaire, non? Ouais, on peut peut-être refaire pour... Attendez... Main en l'air. Je crois que Ulti a eu un petit souci. Ne vous en faites pas. On va refaire parce que c'est que Ulti a eu une place à jouer sur le podium. Oh non, je l'avais en plus. Ah mais j'avais des problèmes de connexion sur. On jouera la même. Tu l'as toi? Ah ouais, moi j'ai tué. Non, tu l'as pas. On va voir ce qui se passe. Qui est encore une fois dessus. Il a fait jeu parce que même. Je crois que c'est pas la bonne hein, que tu as. Ah, je suis bien cliché moi. Oula. Je l'avais, moi j'ai vu la 13, je me suis dit c'est bon, c'est pour moi. Moi je suis à métro en mérite cliché là. Je suis mérite cliché. Vous avez la ville? Oui. Ah ouais, vous avez la ville? Oui, on a la ville, ouais. Oui.
Vous l'avez trouvé, je crois que non. Bah là, je suis. J'allais guess. Quittez la game. Ah, quittez la game. On va régénérer une nouvelle map. Le temps que ça gère. Vous aviez quoi, vous? Moi, j'avais. L'île de la Réunion. Moi, j'avais Réunion avec. J'avais l'église et tout là. Ah, mais moi je savais pas où c'était. C'était où? Saint-Denis, ouais. Ah, c'était Saint-Denis. C'est le malaise. Je vais devoir remettre un code, visiblement. Bah, je pense qu'on va laisser les gens. Oui, c'est normal, on quitte, on va recréer avec un nouveau code. Okay. Oui. Comme ça, on va créer une nouvelle game. Oui, le temps que ça gère. Réunion, grâce à la boussole, j'ai pu savoir que c'était Saint-Denis direct, vu que la mer était vers le nord. Donc je suis, c'est la grande ville du nord de la Réunion. Après, j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup d'églises qui étaient à Saint-Denis. Donc j'ai trouvé une qui semblait être avec la route et tout. Et j'allais guess. Mais toi, hein, t'as vu le gars le gars est transformé. Ouais, quoi, pas est... Non, mais il a juste là. J'ai dit, moi, maintenant, je peux utiliser la boussole. Je suis un génius. De toute façon, j'ai fermé l'onglet après 0,25 secondes. Moi, j'ai fermé le jeu. 0,25. J'ai reboot le PC. Ils ont pu te remettre Internet. Oui. Magnifique. Internet est revenu. On recrée comme ça, on va repartir. Oui. Il vous faut un code. Merci de m'avoir dit que c'était à la Réunion. C'est très sympa. Non, mais ça va être une nouvelle map, quoi qu'il arrive. Comme ça, t'inquiète. Il va nous falloir un code. La régie va nous donner le code. Comme ça, on aura juste à le mettre. Bien sûr. Voilà, c'est juste le temps. Ah oui, parce que d'accord, la Domingos Party, bien sûr, et en rejoindre. Bon, la Domingos Party, la fameuse. Hein, le temps qu'on recrée la map et qu'on reparte. Si jamais, donc ça dans les chats, vous savez, vous pouvez jouer à ces différents points. Vous avez compris le concept. Si jamais vous voulez gagner potentiellement des places pour aller au JO, il y a 3x2 places donc, à gagner. Donc sur l'application Coca-Cola, où en gros, vous allez jouer si jamais vous faites plus de 3500 points. Vous avez un petit code, vous rentrez le code sur l'appli, c'est gagné, c'est perdu, ça, c'est à vous de voir. Voilà, ça c'est bon courage, mais c'est vrai que ça peut faire plaisir tout en jouant un peu à GeoGuessr. Je crois qu'on a des codes aussi à vous filer, GeoGuessr Pro, parce que GeoGuessr, c'est vrai qu'il l'avait passé payant, parce que je crois que Google Maps était devenu plus cher, donc c'est genre 2€ par mois, donc ils sont pas sur... Je ne savais pas si j'avais mes modos sur place, mais je veux bien qu'on me file des codes, je les filerai à la commu. Hein. on va t'envoyer des codes dans le chat. Après, il y a des astuces, c'est que vous allez sur les lives des gens qui jouent à GeoGuessr et ils vous partagent les liens de leur game et vous pouvez jouer gratos comme ça, du coup. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu peux mettre sans compte pro. Ouais. En fait, tu peux jouer gratuitement sans compte pro si tu cliques sur le lien d'un challenge de quelqu'un qui, lui, a un compte pro, quoi. Oui, après, il faut que des gens t'invitent et tout. Si tu veux jouer un soir tranquille et que t'as personne, bon, ben, tu peux pas. Normalement, vous avez juste à refaire partie et vous allez revenir dans la Domingos Party. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau. Du coup, c'est bon, ça sera les points que tu connais pas, ceux-là. Là, c'est des tout nouveaux points. C'est des nouveaux points. Ça va peut-être être un peu chaud. Fais back GeoGuessr. Va avant. Sur la page de base. Ok. I'm here. GeoGuessr, c'est payant. Ouais, en fait, il l'avait pas assez payant parce que comme ils utilisent Google Maps avait changé le truc. En fait, c'est Google qui a changé les... Donc, mais t'étais pas dans une logique, je crois, de se blinder les poches. Non, exactement. C'est le joli mot pour blinder les poches. C'est pas très cher, de toute façon. Je crois 2€ si tu prends l'année. Ouais. Alors, je sais pas si on va tomber exactement au même point ou si ça a changé. Normalement, je crois que ça a changé. On est reparti, en tout cas, pour la game numéro 5. On va découvrir. Et c'est des nouveaux points. Ceux-là, je les connais pas, je suis dans la merde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? On est clairement à... On est quoi? On est à Saumur. On est où ici en fait? Où est-ce qu'on est? Mais il hurle ce con là. Gauthier de Châtillon! Je viens de Châtillon moi! C'est des briques, on est dans le nord. C'est quoi les grosses villes du nord là? Moyen-Âge, Renaissance. Oh, on est à Lille. On est chez vous les Lillois. Les Lillois, vous êtes quand même des gens sympas. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est vrai qu'il y a quand même un truc où on sent que la proximité avec la Belgique vous a fait du bien, tu vois, parce que... C'est quoi du coup? Place de la République, Nicolas Leblanc. Attendez, je peux pas poser de points, c'est normal. Et devinette faite, ça dit. C'est-à-dire? Estimer l'emplacement. Quand je clique sur la map, ça pose pas de points. Estimer l'emplacement, ça coche pas. Comment ça? C'est des grands trucs comme ça, boulevard de la Liberté. C'est bon, il a sa réponse ou pas? Nicolas Leblanc. Lille Grand Palais. Attendez, je vais voir ce que c'est ce truc là, parce que c'est quoi ce bâtiment là? C'est quoi ce bâtiment? Et pourquoi moi j'ai le chat qui s'ouvre là? Est-ce que j'ai pas une information là? C'est quoi ça? Tableau photographique Pierre Dubreuil. Ah, Palais Beaux-Arts, mais j'y étais en plus. Oh, j'y étais. On est juste là.
Oh là là, on est juste là, magnifique. Juste là, voilà. Tranquille. Mais t'y aveugle le dôme. Mais le dôme, t'y aveugle ou quoi? Non, je disais, vous êtes cool, hein, les Lillois. C'est que tous les Lillois que j'ai rencontrés ont un truc plus... Ah mais attends, mais c'est bugué. Plus sympa. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé, MV? En fait, j'ai jamais pu poser mon point. Et quand je me suis dit, bon bah je vais appuyer sur estimer l'emplacement pour mettre mon point. T'as eu zéro point? Et on dirait que votre voyage a pris un petit détour. Essayez de recharger la page. Ah oui, moi aussi, pareil. Ah mais t'as 5000 par contre. Ah j'ai 5000. Ouais, t'as 5000. Alors c'est-à-dire que quand je cliquais, ça cliquait. Ok. J'ai l'impression que ça cliquait. Peut-être tu peux faire un petit F5 si jamais pour te remettre, pour voir si t'es bon. Tout le monde a eu 5000 sauf Riff à 4990. Bah ouais, en fait, je pouvais pas guess, du coup j'ai... On fait tous F5, on fait tous un petit F5, un F5 plaisir. Ok, maintenant du coup j'ai dû guess au hasard. C'est pas si grave, je suis quand même resté à faire 4990. Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Oui, mais j'avais le même problème que MB. Je pouvais pas ping en fait, là où je voulais mettre. Oh là là, bah là c'est écouter. Que d'aventure. Oh, bah, chance. Non, je disais que tu vois, les Lillois, je les trouve sympas. Je trouve que particulièrement, tu dois donner une ville position sympathique. Position courageuse, mon cher PA. Pourquoi? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est. Bon, ok, très bien. Il y a un problème avec les Lillois ou... Ah, j'ai l'impression que t'as quelque chose contre les Lillois, toi. Il a dit les termes. C'est une masterclass. Quel enculé, ce mec. Tu le mènes. Voilà, je vous le dis. Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus lui parler. Ouais, direct. Je suis mort. C'est où ça? C'est beau ça. C'est beau ça. Discothèque Le Paradise. Non, c'est pas Nice, il y a la promenade Triskel. La belle Lilloise. Ah, mais c'est pas Belle Île en Mer. J'ai l'impression que c'est ça, non? Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de... Je m'y connais pas tant que ça, mais... Ouais, ça a l'air grand quand même pour... Je sais pas si c'est aussi grand que ça, quoi. Port de Palais. Moi, je connais pas trop ce coin. Ça m'a peut-être l'air trop grand par rapport à ce que c'est, là. Je vais avancer un peu. Je vais un peu avancer. Base de mer, office de tourisme. Je sais pas, j'ai juste vu Belle Illoise, faut pas non plus que je m'enflamme. En fait, il y a l'air d'avoir tellement... À cause de ma tablette. Mais pourquoi c'est la tablette qui ouvrait le message? Avec ma tablette, j'appuyais sur... Mais non, c'était même pas ça en plus, mais c'est la proximité de la tablette avec l'écran. Il m'a perdu l'autre, là. Oh, je suis foutu, moi, c'est bon, je suis foutu, je vais trouver peut-être... Oh, bah les sables d'Olonne, allez, hop, là. Hop, hop, allez, chez MV, là, il a pété son micro, en plus, le con. Hop, alors... Alors qu'est-ce qu'on dit là? Où est-ce qu'on est nous? Voilà, on va se mettre là. On a la mer au nord, on est là. Voilà. Tranquillement. Oh, je suis dégoûtée. Le sable d'Olonne. Tranquillement, voilà. Non, c'est dégueulasse. Oui, excusez-moi, j'ai crié très fort et j'avais une voix de robot après, j'avais cassé le matériel. Oui, j'ai reconnu tard, mais en plus, je suis allé plein de fois en vacances. Pour une fois, c'est une map dédiée à moi. Ouais. C'est ton heure, c'est J'avais ton heure. J'avais un pote d'enfance et on allait chez ses grands-parents à La Chaume, qui est un quartier, enfin qui est une ville, mais qui est un quartier, mais que certains diraient ville pour pas, parce qu'il y a des embrouilles avec les sables d'Olonne. Ah ouais, ça a l'air d'être sérieux. Et j'ai reconnu et je me suis placé à quelques mètres. Bien vu, bien vu. Bien vu, Gobain. Ah, je suis dégoûté. En fait, tout à l'heure, on a eu un. Je crois qu'au premier point, j'ai vu un bar qui s'appelait Le Sablet. Et je me suis dit, oh, le Sablet, les Sables d'Olonne. Et je me suis mis vers les Sables d'Olonne. En fait, c'était pas du tout ça. Et là, j'ai revu un bar qui s'appelait Le Sablet. Je me suis dit, oh, le Sable d'Olonne. En plus, ça ressemble. Ça fait deux bars, quoi. Et j'ai pas osé mettre mon point, du coup, au Sable d'Olonne. Je me suis dit, vas-y, je vais me mettre plus haut, c'est pas grave. Genre à Poitiers. Ouais, non, bah, moi, j'ai abusé. Non, c'était un point de sécurité pour être sûr de mettre un point. Ah oui, au-dessus de Saint-Nazaire. Ouais, ah oui, d'accord. Du côté de la Turbal, bien sûr. Ah non, mais c'était au hasard, là. Hein. C'était vraiment pour mettre un point, pour pas que ça refasse zéro que la dernière fois. T'as sécurisé. C'était beau, sécure en vrai, franchement. Grave. C'était super. Je disais, ah, c'était super joli et tout. Ça a l'air bien, le Sable d'Olonne, c'est trop bien. C'est la deuxième part pour le Vendée Globe aussi, Sable d'Olonne et tout ça. Ah, j'ai vu le. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ah, mais il est là, le casino. J'ai pas vu. Putain, mais oui, en plus, j'ai vu un truc Vendée. 85, la Vendée, comme le chantait MC Circulaire, bien entendu. Les amis, troisième round, on envoie.
J'en peux plus. Alors, je précise si jamais, hein, parce qu'en fait, là, on est en multistream, c'est-à-dire qu'on a une régie globale où il y a tout le monde. Et ensuite, là, vous voyez ma POV parce que vous êtes sur mon stream. Si jamais sur le stream d'MV, vous le voyez jouer à GeoGuessr, sur le stream d'Ultia et tout. Je précise. Alors bon, c'est con parce que c'est la fin de la soirée. Donc si jamais vous êtes là depuis le début et vous n'avez pas compris, c'est un peu dommage. Mais voilà, les frères, là, honnêtement, il y a des trucs qui mentent pas quand même. Il hein. Y a des trucs qui, si tu veux, te donnent une certaine info. Au pire, c'était 0495. Alors, pff, ensuite c'est où quoi? Est-ce que c'est haut ou bas? Le 20 ou le 21? Aïe, mais en fait, on a de la toile de jute là, sur les trucs et ça me nique le coude. Une anecdote passionnante que je ne partagerai jamais à MV au risque de super des moqueries. Cafetaria Panini, mais je sais pas où c'est moi. En fait, la question c'est ça part où? Parce que, en fait, techniquement, ça arrive à Marseille et ça passe ensuite par la Corse. Kido, je sais pas moi, des petits trucs comme ça. Des petits trucs comme ça, on est où? On n'a pas l'air d'être non plus dans Institut de Beauté. Si c'est un peu comme... Oh, il y a la... Oh, attends. Parce que je me suis retrouvé un moment en boîte à Bastia. Ça fumait dans la boîte. Non, par contre, je crois que j'ai bu un verre ici, là. Non, je vous jure, je suis un peu chiant. Ici ou ici? Peut-être pris une pizza là, au bas. Et c'est, ça, c'est. Si, je crois que c'est Bastia du coup, parce que je crois qu'on était allé là-bas, là, quand j'étais hyper allergique. Je me souviens. Il y avait plein de trucs un peu, le Jean-Bar. Ah, mais Jean-Bar, normalement, c'est pour les Dunkerquois. Je renvoyais Bastia. Merde, c'est où Bastia? C'est où Bastia? Là. Merde, c'est un peu plus loin. Oh là là, pas loin. Dernier moment. Oh la vache. Oh y a. J'étais un peu plus au sud, mais ouais, j'ai vu Bastia assez vite. Le petit port de Bastia. On a qui? Gomard, dernier moment. Franchement, à 3 secondes. Incroyable. Je tournais. Avec Corse, je tournais. J'avais le préfixe du téléphone. Donc j'avais vers où on était, mais pas du tout encore. Oh la joue GeoGuessr. Enfin, quand je dis que j'ai vu Bastia, pas du tout. J'ai juste vu un kiosque à journaux où ça vendait Corse matin. Oui, et c'est celui que j'ai vu. Ok, c'est la Corse, et j'avais vu que la flamme ne passait que par Bastia en Corse. Donc j'ai dit, allez, Bastia. Wow. Moi j'ai vu Académie de danse Bastiaise, et donc du coup celle-là, c'est comme ça que j'ai trouvé. Après, j'ai pas réussi à trouver l'hôtel de ville et tout. Moi j'ai trouvé un panneau avec marqué Ajaccio Calvi, et il y avait pas Bastia, et je me suis dit, ben bon, c'est ça. T'as joué la méta bien, mais c'est vrai. Ah ouais, la méta magie de la flamme. Ouais, la magie de la flamme. Tu portes la flamme que nous portons. bien joué tout le monde. Encore allez, deux Runka. Points. Runka. Oh là, on est où là? Pour le podium. Waouh. Ah bah là, c'est incroyable que ça soit Street View V. C'est trop bien, j'ai envie de me prendre. Attendez, on peut faire des... Et là c'est le haut là. C'est ouf de voir ça là comme ça. Ça, c'est le sommet, là, ça. Le toit de l'Union Européenne. Je crois que c'est pas le toit de l'Europe. Je crois qu'il y a un autre truc. Oh, je suis infernal. Je suis un connard. Putain, je suis le mec en soirée qui veut à tout prix te dire un truc intéressant. Non, parce que je crois qu'il y a un point en Géorgie où, en fait, c'est un peu plus grand que le Mont Blanc. Donc, on ne peut pas le définir comme vraiment étant le sommet. Moi, je vais mettre ça pile là, moi, du coup. Hein. J'avoue que je sais pas exactement où le mettre ailleurs. Ah, je me suis niqué. Ah putain, ça fait plus mal l'épaule juste de temps en temps comme ça, quoi. Mais le mont Elbrouz, ouais, c'est ça, non, en plus. Mais Copali Gollum de soirée, enfin Gollum. Bah ouais, mais c'est intéressant, j'essaye. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le deuxième point, parce que t'as le mont, je crois que c'est en Géorgie. En vrai, je sais plus pourquoi j'avais parlé de Mont Blanc, on m'avait corrigé là-dessus. Donc, non, là, c'est bon, c'est Inox qui monte. Le mont Cervin, on nous dit. Ah, je sais pas, moi, j'ai mis Mont Blanc en mode, va savoir, c'est pas ça, mais je me dis, si la flamme passe par un mont, ça va être le Mont Blanc, en vrai. Mais le Mont Blanc, d'ailleurs, c'est en France ou... Enfin, oui, mais... Ah, c'est une triple frontière, c'est ça? C'est genre Suisse-Italie... Non, c'est France-Italie? Ah oui, non, c'est très loin de la... Attends, c'est très loin de la Suisse. C'est partagé, quoi. Ah oui, non, trois pays, il y a la Suisse aussi.
Le Cervin, c'est en Suisse. Ah, ok. L'Italie te dirait que c'est à l'Italie. C'est franco-italien, mais c'est suisse aussi, non? Du coup. Bon, moi, j'ai cliqué sur le point Mont-Blanc, quoi. Là, je me suis pas. Mais c'est non, 4985. C'est une blague. Ah, 5 points. Ah, c'est dur de savoir exactement. C'était logique après. Là, il y avait que de la logique. Il y avait deux petits spots Mont Blanc. Il y avait le Mont Blanc de Courmayeur. En fait, j'ai tous mis sur le spot Mont Blanc, mais c'était super dur de trouver exactement. Okay, il fallait zoomer. Je me suis chier, moi. Je me suis dit vraiment. Moi, franchement, je connais tellement pas les montagnes qu'au début, j'hésitais à me foutre dans les Pyrénées, au pif, me dire vas-y, YOLO, tu vois. Et moi, au début, je m'étais mis à Paris parce que je croyais que c'était la colline du crack. Parce qu'il y avait plein de poudre et tout. Ah oui, ouais. Ça aurait pu. Je croyais qu'on était à près de Porte de la Chasse. Ah, comme quoi. Mais c'est bon finalement. J'ai reconnu après. J'ai reconnu. Juste après, il y a eu le déclic. C'est bien que t'es pas bloqué sur ta première idée, que t'as réussi à très ouvert. Très ouvert. Qu'est-ce qui t'a fait switch, Gomard? Tu t'es dit après, bon. Totalement vous, en fait, qui donnait les réponses. Hein. Je me suis dit, peut-être que je vais pas foutre. Peut-être que j'entends mot et blanc tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui peut faire la diff. C'est le dernier point. Discret. Hein. Si c'est un point difficile. Ouais, moi, de toute façon, je suis loin. Il peut se passer quelque chose de fort. Je me suis envolé. Je me suis envolé. Oh, le parking. Mais non. Oh, le parking. Ah bah c'est pas si simple ça. Celui-là typiquement. Créteil. Celui-là. Putain Marseille. Oh putain il a dit Marseille, j'ai entendu, ça doit être là-bas. Mais en vrai c'est l'Alsace, non? C'est Mais en fait je crois que les Normands vous avez un peu ce délire aussi de maison là. Ah c'est le Morbihan. Mais le Morbihan, c'est breton, non? Le Morbihan, c'est où le Morbihan? C'est assez à droite, c'est là. Ah, mais ça doit être un bon Lorient, non? Ou un Van? Un truc comme ça. Mais je suis con, il y a le nom, en fait. Ah, mais non, mais c'est Saint-Vincent. Ça, c'est pas le nom de la ville, c'est le nom de l'église. Ça ressemble à ça, là? Chez vous, les Celtes, là? Lorient, c'est pure terre celte, non? T'es en total druide? Le festival et tout. Ah, mais oui, il y a le festival d'ailleurs sur le terrain de foot, là, ça crée des embrouilles à chaque fois. Parce que ça détruit le terrain et ensuite, à chaque fois, en août, votre pelouse, elle est dégueulasse, là. Le Moustoir? Ça doit être le Moustoir, le stade. Mais attends, je sais même pas si on est à Lorient, là. Qu'est-ce que je raconte, là, putain? C'est 30 secondes. Ouais, si, on est en Bretagne, mais on est où en Bretagne? Pourquoi j'ai envie de Bretagne là, mais hôtel de ville, mais hôtel de ville, d'où là? Parlez-nous. Oh, je vais au Lille dans l'Orient. Oh, la soirée qui s'envole là-dessus. C'est bon. Nantraine, Saint-Brieuc. L'Orient. Ah donc non, il n'y a pas l'Orient. Bah, c'est Vannes alors. Bon, c'est Vannes, c'est pas l'Orient, c'est Vannes. Le Voc. J'ai une cathédrale, c'est ça. Allez hop là, je te fous pas loin là. Chut, c'est réglé. Allez hop. Oh, je suis dégoûté. Oh là 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 là. Dommage. Oh là là, je vois un 2100 à ma droite. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, je serai pas sur le podium. Non mais en fait, j'ai vu que c'était en Bretagne et je disais des conneries et le brain fart parce que j'y suis allé en plus à Vannes et oui, la ville intérieure. Enfin, j'aurais dû penser. Et je dis Vannes à 3 secondes de la fin, mais je clique sur Quimper. Mais il fallait que. Il aurait fallu 5 secondes de plus et je serais allé vers Vannes, je m'en serais souvenu. Bah moi, j'ai vu Bretagne. Je savais qu'il y avait deux villes étapes en Bretagne qui étaient Brest et Vannes. Manifestement, ça ne ressemble pas à Brest. Hein, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est mignon. Ça ressemble pas à Brest, très joli, non hein. Mais qu'est-ce qui. Alors, c'est un peu le côté, je connais pas bien, mais un peu alsacien, tu sais, les maisons, etc. Bon, qui n'est pas ouais, que alsacien. Les tuiles. Mais en vrai, les tuiles, elles font plus nord-ouest. Et en plus de ça, il y avait des indicatifs téléphoniques en 0-2 partout. Oui, et puis après, il y avait Crêperie et Crédit Mutuel de Bretagne. Non, mais je te parlais plus du style. Genre, en Bretagne, t'as beaucoup aussi. C'est normand, non, à la base. T'as les trucs colombages, les maisons à colombages, quoi. Ouais, après, c'est médiéval au global. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. On voit ça beaucoup dans l'Est également. Okay. Quoi. Non, mais t'as ça dans des vieilles villes bretonnes aussi. Tu vois, à Quimper, t'en as. Okay. À Vannes, t'en as aussi. Mais oui, c'est aussi. Oui, mais il y avait marqué le port, donc c'était forcément Vannes, mais je suis deg.
Ah, j'ai pas vu le port. Ouais, il y avait un truc. Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé qu'on était à Vannes. Ah, c'est en débouchant sur le port, ouais. Et j'étais déjà allé à Vannes. Et j'avais pris le bateau pour aller à l'île aux Moines, d'ailleurs. Très magnifique. Ah, ok. Ah, le golfe du Morbihan, c'est très joli, effectivement. Ouais. Ah, ouais, moi, j'avais Lorient et à la toute fin, j'ai vu un panneau Lorient. Donc, je me suis dit, comme j'avais Morbihan, je me suis dit, ça doit être Vannes. Ça doit être Vannes. On va envoyer ça. Bien joué. Moi, j'ai rien vu sur la Bretagne et tout. Enfin, je n'ai rien vu de mes yeux. Mais j'ai juste vu Vannes. En fait, je me suis dit, je vais rien trouver d'autre. Donc, du coup, j'ai cherché comme une débilos sur la carte, van, et j'ai pas trouvé. Donc, je me suis mis au pif parce que j'avais vu l'indicatif 02 aussi. Ouais. Donc, tu cherchais quand même dans le quart nord-ouest, ouais. Ouais, mais pas trouvé. Non, mais je signale quand même que j'allais partir sur une game où j'allais faire premier et j'ai bien évidemment vraiment le storytelling du fail absolu. Je m'écroule évidemment devant le bol de sangria. Terrible bol de sangria. Voilà, dernier guess de la merde en barquette. C'est dur parce qu'on a le classement général qui va s'afficher. Ça se battait pas mal pour le podium. Je prends la première place juste derrière Rivenzi. Let's go. Ultia qui finit finalement sur le podium, qui vole la place à MV sur le dernier round. Solide. Et Gomar pour finir la marche. Mais en tout cas, félicitations. Et si t'as pris un round en plus, le round 3, t'as été premier. Et non, c'est Rémi. Il me semblait que c'était moi. Ouais, vérifiant. Dommage, hein. Moi, j'ai pris le 2. Mais, oui, t'as pris le 2, voilà, t'en avais eu un. Bravo la MIF. Bravo. Bah ouais, bravo en tout cas. On n'est pas passé par Brest. Mais ça va, ils ont pas été trop méchants avec nous sur les points. Ça va, ils ont mis des spots assez reconnaissables. Puis t'avais assez vite des indices et tout. On n'était pas dans la pampa. Comme c'est le passage exact, c'est vrai que c'était dans pas mal de grandes villes et tout. Ça fait aussi pas mal de points. C'est vrai que c'était pas le plus dur. C'est pour ça qu'on a mis 2 minutes. Ouais, c'était cool un peu de voyager un peu. C'est ça qui est sympa avec GeoGuessr. Comme je disais, tous les points, ça sera les passages donc de la flamme olympique qui est sponsorisée par Coca-Cola. D'où cette soirée. Je précise aussi qu'à partir du 17 juillet, la communauté, vous allez pouvoir tout simplement candidater sur l'application Coca-Cola pour pouvoir être porteur de la flamme, parce qu'il va y en avoir beaucoup des porteurs de flamme, et il y a moyen que ça soit potentiellement vous. Donc en vrai, si ça vous intéresse ou autre, n'hésitez pas à vous renseigner. Encore une fois, c'est vrai que c'est quand même un truc d'une vie. Merci beaucoup Coca-Cola pour cette soirée. La disponibilité de la map, c'est !map. Si vous voulez aussi jouer, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez gagner des places pour les Jeux Olympiques aussi avec leur appli. Ça vous permet de jouer un peu à GeoGuessr. Il y a des codes normalement qui vont être donnés pour GeoGuessr Pro. Merci beaucoup tout le monde, c'était très sympa. Merci, c'était trop merci pour l'invitation. C'était très très bon moment. Merci. J'ai pas fait de dingue, ça va. Bah ouais, non, en vrai, t'as trop géré au final. Hein, bravo. Tu vois, oui, parce que c'était en vrai, il y avait quand même pas mal d'indices et tout. Ça va. Gomar, c'était très sympa. Et puis, très cool. En vrai, c'est cool que le script ait été respecté, que Domingo gagne. De là à dire que Twitch devient comme la télé, c'est un autre débat. On en parlera plus tard. Peut-être. Moi, j'ai mon trophée, je m'en fous. Voilà, une victoire, ça faisait du bien. Merci à la régie qui a beaucoup soutenu, bien évidemment, en me donnant toutes les informations. Ça fait plaisir. Merci à Gabriel aussi, Gabriel GeoGuessr, le boss sur TikTok. Comme d'habitude, merci à toutes les équipes. Merci à Coca-Cola. On se retrouve très prochainement pour un prochain stream. Des bisous tout le monde. Bon week-end. Profitez du soleil. Salut. Ciao. Thank you.